Se rend coincé dans tout le corps, ça bon? Ah non, 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 ça va. Ça va, Ah, ça t'as va. dormi des bons côtés alors. J'ai dormi du bon côté, bah, j'ai eu de la chance. Parce que dans l'état où j'étais, j'ai pas regardé où je dormais. Oh, j'aurais plutôt dit t'as pas eu de chance. Hein. Ah oui? Bah ouais, elle est Merde. bonne ma cam, tout ça. Ah oui. Non, je sais pas. T'es en train de Attends. faire quoi là? Bah, j'essaie de faire des Je vais me doubles mettre. affiches. Ah ouais, je vois ça, ouais. Bah, ça a l'air pas mal. Ouais, ça va. Je suis pas très satisfait, vraiment. C'est impossible de les aligner comme ils vont. Ah, je les vois. Ni Dieu ni maître. All cops are bastards. Je les vois bien alignés, moi. Ouais, mais le dieu, tu vois, le dieu, il est travers parce que l'affiche, elle se décolle en haut à droite. Un petit peu, ouais. Ah oui, Après, quand on ça se va, ça va. rapproche, on voit, ouais. Ouais, je suis pas très satisfait. C'est pas une œuvre d'art non plus, Ah, c'est hein. pas mal. Ouais, Pas on mal. a eu des soucis avec la police, hein, du coup, Ah oui? on va bien leur rappeler qu'on les encule. Ouais. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Ah, moi, ils m'ont kidnappé, séquestré et tabassé. Merde. Ouah. Ah ouais, ça craint. Ils ont le droit de faire Ah ouais, ça. ça craint. Ben non, ils ont pas le droit de faire ça, bien sûr que Et il non, ils faut ont pas le droit de faire ça. appeler un avocat. Bah, je connais pas leur nom, qu'est-ce que tu veux faire? Merde. Oh putain. Et mon dès que je parlais, j'étais mort. Bon, après ça, je m'en bats les Super. couilles, je t'avoue. C'est pas ça qui va me faire fermer ma gueule. Ah, j'imagine bien, oui. J'imagine bien. Ouah. Bon, je vais sortir. Je sais plus ce que je voulais faire, tiens. Si, il fallait que je voie tout le monde là par rapport au concert. Là, il y a des concerts qui s'annulent, des concerts qui vont se faire, mais on sait pas si. Non, qui n'allait pas là, je crois, vendredi prochain. Ça peut pas se faire, il va falloir essayer d'arranger tout ça. C'est ce qu'ils m'ont dit au 198 pour annuler le concert. Ouais, j'ai Mais entendu c'était trop parler, ouais, cher. c'était trop cher, ouais, Ouais. bande de fils de pute. Bah, tu nous as bien défendu, c'est Et cool, c'est cool. ils font ouais, ça s'appelle. Et ils font une soirée en plus. Alors moi, j'aimerais bien faire une soirée le même soir. Ouais, pour essayer de les Et niquer un peu, ouais. en plus de ça, toi qui as, si j'ai bien compris, l'esprit punk, tu vas me dire si j'ai bien compris l'esprit punk. Ah, ça Alors, donne, no moi. normalement, ils nous ont pas pris parce que c'était trop cher. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il veut faire des soirées, mais qu'il veut gagner du pognon le plus possible, ok? Qu'il veut pas faire participer Ouais, les autres. rentabilité, rentabilité. Voilà. Ouais, tout Donc, pour rouler, rien pour faire participer, c'est ça. est-ce qu'on pourrait pas aller taguer sa devanture avec écrit anti-capital, non, capitaliste et radin. Ouais. Ouais, on Capitaliste, pourrait, ouais. les nouveaux Ouais, on capitalistes du pourrait, c'est Nord, tu vois, il bien, c'est faudrait mettre. bien. Ouais, ça me plaît bien. On risque d'avoir des soucis, mais ça me dérange pas. Allô? Allô? Dans le coin? Allô? Dans le coin? Je viens... Allô? Allô? Ah, allô? Ouais. Je suis à bonne chose, quoi, je viens de me réveiller. Ouais. Tu sais qu'est-ce que j'avais dans le lit juste à côté de moi? Ah, une petite poulette bien gentille. Ça patoche. Ouah, il m'a tripoté, il m'a dit pendant que je dormais. Il fallait pas le dire. De quoi vous êtes au 190? Mais on est en train d'en parler. Eh, on va les taguer, on va mettre. Patoche, il a une bonne idée. On va mettre capitaliste et nouveau, ou un truc comme ça, riche capitaliste de Nord. Nouveau capitaliste du Nord. Ah ouais, c'est vrai, les subventions et tout, j'avais oublié. Merde. Merde, merde, merde. Vas-y, mais on arrive, on arrive. Ouah. T'as entendu ou pas la fin de la Non, j'ai pas conversation? J'ai un vieux entendu. haut-parleur. T'as pas entendu? Apparemment, ça a bougé entre-temps parce que le mec, il pourrait choper des subventions de la monarchie de merde, tu vois, pour qu'il paye le concert. Ouais. Mais bon. Bah, c'est pas ce qu'il nous Ouais. a dit. C'est pas ce qu'il nous a dit l'autre jour, en tout cas. Ouah, mais les choses, elles ont dû changer. T'as vu Mais écurie? ouais, j'ai ma bagnole là derrière. Ah, c'était ta voiture, oh Ouais, putain. pourquoi tu l'as forcé ou quoi? Non, non, j'ai failli. J'ai failli. En tout cas, elle est bien défoncée. Tu sais que c'est une Ouais. voiture de Vagos, ça, à la base. Ah, je sais pas. Ah, bah, elle était ouverte, t'es. Une voiture de gangster, un peu. Ouais, tu sais, quand la nuit elle passe et tout, des fois, bah, les serrures elles sautent. Je sais pas pourquoi, ça a toujours fait ça, c'est trop chiant.
Vas-y, on va en info de deux. Elle est où du coup? 198 là? 192, ouais, toi. Oh shit. Oh merde! Pardon, genre. Ah oh! Elle t'écrase pas les petites babas de décès, hein! Mais ouais, mais aussi, elle se cache, elle sort au dernier moment aussi! Ah bah, faut faire attention, non, ça, toi? Ah ouais, c'est vrai. Ah bah, non, ça là. Ouais, non, je suis allé. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, non, les petites bêtes, faut pas les écraser si on les bouffe pas derrière, Thomas! Ouais, ouais, je comprends. Mais c'est vrai, comme je t'ai dit, elle est sortie au dernier moment, mais j'ai pas vu. Je ferai plus attention, bah, t'as raison. Ça fait deux fois que je te vois bouger. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bah, fais-toi, la troisième fois, je te casse la gueule. C'est vrai. Merde. Ouais. Bah, fais-toi que je veux vraiment le faire. Oh, bah, je te crois, hein. Ah, t'as bien fait, tu fais bien. Crois, toi, fais bien. Avec une petite batte de baseball, je précise. Ah, ouais, mais ça fait encore plus mal, ça. Ouais. Tu te tais! Qu'est-ce que c'est ça? Je reçois un message. Ah! T'as loupé la sortie, c'était, ah, c'était là. C'est juste à droite. Ouais, parce que si tu sors plus loin après, on risque de tomber dans les petites pommes à cause de la route qui fait mal à la tête. D'accord. Faut toujours passer par derrière. Oui, mais c'est ce qu'elles disent toutes. Ouais. Il est pareil, pareil, mais c'est pas mon truc. Je suis un petit peu plus saoul encore. Ah bon? Tout droit. Ouais, mais j'ai pas voulu écraser les cailloux et les coyotes. Là, je me prends un coup de batte. Attention aux petits chevaux, aux petits cerfs. Putain, y'en a beaucoup de la nature pour en serrer des petits animaux. Bah ouais. C'est pas mal pour se servir à bouffer ici. Ouais. Moi, je veux chasser, mais. Moi, j'ai un couteau, mais il coupe pas la viande animale. Il coupe que la viande humaine. Il est pas assez bien taillé. Ah, c'est plus dur la viande humaine. Non, la viande animale, c'est plus dur. Hop là, voilà. Impeccable, impeccable. Putain, faut que je passe à l'hôpital. Ouais, moi aussi, c'est vrai que j'ai. C'est l'entrée, ça. Là, oui. Salut. Oh, bonsoir. T'es par terre autant. Bonsoir. Bon alors, bonsoir, oui. Jean-Jean. Toi, ça fait un bon quand t'as pas voix d'adon. Bah ouais. Tu m'as trouvé de la drogue. Tu m'as trouvé de la drogue. Là, il a pas de. Cherche la one. Cherche la one, cette. Cherche la one. Comment vous allez? Bah, ça va et toi? Oh, bah, ça va. On peut aller. Ça va, man, putain. Salut, Zi. Ça va, man. Ça va, grand-mère. Il y a un sens. Oh, en parlant de singe, je peux te raconter un truc. Quoi, vous avez vu un singe? Bonsoir. Oui, bonsoir, j'ai vu que vous m'aviez appelé. Oui, bah apparemment vous avez appelé un de moi, je suis le PDG de Saliris, apparemment vous avez contacté un de mes employés. Ah oui, oui. Je sais pas quoi, donc du coup j'ai votre numéro, mais je sais pas ni qui vous êtes ni quoi. Donc, d'accord, bah je vais vous expliquer, je suis Patrick Lemar, je suis le manager de Kramer & The Zoo. Ah oui, d'accord, ok, ah, je connais. Voilà, mais du coup, je voulais vous contacter, voir si ça vous intéresse, si vous seriez intéressé pour faire des de temps en temps, alors déjà, pour faire au moins une fois, si on fait un concert en ville, de venir au concert faire un stand pour vendre. Je pense qu'on peut en discuter, il faudrait voir. Ouais. Voilà, là, c'est quand votre prochain concert? Là, on est en train d'en discuter, là, mais peut-être on va le faire mardi soir, je sais. On est en train de discuter. Ça va dépendre de 2-3 choses, parce qu'en fait, moi j'ai des petits problèmes de fournisseurs. D'accord. Ça va être un peu bas en ressources. Ok. Donc du coup, ça va dépendre de si jamais j'ai du stock ou pas. Mais de toute façon, nous on programme un concert, donc on va essayer d'en programmer un la semaine prochaine. Et puis je vous recontacte quand j'ai la date, et on voit si c'est possible. Dans tous les cas, ça vous intéresse, quoi. Bah pourquoi pas, ouais, ça peut être sympa, okay. J'aime bien votre groupe. Donc. Ah bah c'est super, merci. Bah merci, bonne soirée, et du coup c'est manager, je vais écrire maintenant. On reste en contact. Ça marche, merci, on reste en contact, merci. Oui. Bonne soirée. Bonne soirée. Ça.
PDG, ça, Eri, c'est comme ça. On va dire comme il met, on va l'écrire comme il met, comme il dit papier. Voilà. Ah, c'est pas moi qui assassine un coyote dans ma note. En partage. Ah, moi non, moi non plus. Il mangeait quelque chose, monsieur. C'était tic ou c'était tic? Je veux bien sanglier à la bière, tiens. Ma passeur, elle se sent vachement. Plaît. Vous m'avez dit quoi? Sanglier à la bière. Sanglier, un menu du coup? Bah oui, allez. Ah, bah là, il avait plus que le nez rouge avec le water que le passé. Il était peut-être plus de nez, mais. Effectivement. On l'a même pas ramassé pour bouffer. Alors lui, t'as pas vu où il est parti, Sid? Non, je suis parti me chercher de l'héros. Merci. T'inquiète pas, je l'ai mis si on aille. Tiens, Kramer. Wadi, bro. Attends, viens. Tu sais qu'on on avait parlé de Ruby pour remplacer Tonton. Ouais. Est-ce qu'on lui propose? Est-ce que tout le monde est d'accord? Tu sais, tout le monde devait parler avec tout le monde, là. Au fait, faut que tu parles avec les gens du 198. Apparemment, il y a peut-être des fonds qui peuvent être débloqués via le roi et tout, là. Attends, ah oui, c'est un papy par rapport à Ruby. Ouais, on m'a dit parce ça. Parce que ce dont papy parle, c'est pas si t'es au courant, Olive. De quoi? Moi, je voulais proposer, parce que là, tonton, il va partir pendant une longue période de temps. Donc, mm-hmm. Je voulais proposer à Ruby de rejoindre le line-up Kramer & Sauce officiellement. Le temps que tonton fasse. Et puis tonton, au pire, il sera remplaçant, tu vois. Bah, carrément, on peut faire ça. Bah, faut lui proposer si ça lui intéresse, quoi. Ouais. Voilà, excuse-moi, c'est parce qu'il me parlait de ça, papy. Mais du coup, comme elle est là, ou alors on attend d'avoir Keane aussi pour lui dire tous ensemble. Bah, ils en avaient pas parlé à Keane, ils en avaient pas parlé à Izzy, alors faut leur en parler à eux aussi, quoi. D'accord, bon, c'était juste parce qu'elle était là, c'était l'occasion, mais on revoit ça plus tard alors. Bon, vaut mieux qu'on en parle, okay. Plus tôt, sachant qu'il va y avoir des tensions et des débats. Ok. Ah bon ? Ouais, je pense pas. Bah, est-ce que tu penses qu'elle est assez punk pour Izzy, par exemple ? Bah, ouais, clairement. Je pense, hein. Moi, mais je pense aussi, mais... Qu'est-ce que j'allais dire ? Ouais, non, vraiment, faut que tu parles... Faut que tu parles au patron du 198 pour le concert qui a été annulé, mais qui peut-être peut être fait... Parce ouais. Qu'il y aura peut-être de l'argent. Il y a un. Alors, un je vais être honnête avec toi, Olive. Ouais. Étant donné que c'est lui qui a annulé parce qu'il nous a clairement dit que c'était trop cher, donc j'ai bien insisté sur le fait que ça lui allait pas à lui, mais que c'était pas trop cher, parce qu'il y avait quand même 5 artistes sur scène. J'attends que ce soit lui qui vienne m'en parler, parce que moi je préfère préparer autre chose, et puis ce sera bien fait pour lui s'il y a autre chose qui est préparé, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ok, ça va. Comme il a dit papy la dernière fois, si c'est trop cher pour lui, et que comme ça il nous annule parce que juste le prix lui plaît pas, et bah la prochaine fois qu'il demande ça sera plus cher, tant pis pour sa gueule. Ça va. Genre la prochaine fois qu'il nous veut, quand il aura l'argent, bah là ça sera la max, tu vois. C'est ça. Ouais. Et nous, en attendant, bah, on va jouer au Pearl. D'ailleurs, Kramer, j'étais il y a 5 minutes, là, j'étais au téléphone avec le patron du Cellerie. Ouais. Et il est chaud pour faire un stand si on fait un concert quelque part. Ok, bah ça c'est bon à savoir. Faut que ça dépend où on sera, parce qu'apparemment, j'ai vu, tu nous as proposé peut-être de faire mardi au Pearl le concert. Bah, il faut que je... Non, j'ai proposé de... Enfin, j'ai voulu savoir quand est-ce que tout le monde serait disponible, surtout. Ah oui, ok, d'accord, c'est bon. Parce que... Aussi, hein. Ouais, faut demander à Ruby, mais c'est pour ça, faudrait peut-être l'intégrer. Enfin bon, non, ça c'est autre chose. Et Ouais. Ouais, de voir quand c'est que tout le monde est disponible. Dans tous les cas, il faut que j'annule pour vendredi avec le Pearl, puisque Keane n'est pas là. Ah oui, Keane n'est pas là. Sans chanteuse, c'est emmerdant. Et du coup, c'est du ska punk. Faut qu'on revoie une autre date pour le Pearl. Ok. Et voilà. Donc mardi, on ferait éventuellement un concert à la salle de répète du Sud. Mais ça dépend, si le Pearl est chaud pour qu'on le fasse chez lui, au moins on n'a pas la salle à préparer, tu vois. Bah, c'est ça. Voilà. Et la salle, on la prépare pour la semaine d'après, ou voilà. Je sais pas, vous en pensez quoi, vous? C'est quoi, si vous les boss, moi je suis. Bon, moi c'est pas le boss, Après, il faut que...
faut que... Non, non, moi je suis pas le boss, mais il faut que tout le monde soit d'accord, quoi. La flèche, tu l'as trouvée dans une poubelle? C'est une flèche de grand mort. T'as trouvé ça dans une poubelle, Sid, c'est incroyable. Bien joué, Sid. Oula, il y a deux musiques en même temps. Il n'y a pas besoin de mettre ça, c'est... Que c'est ouais. Bon, je viens de parler avec eux, j'ai failli me prendre la tête encore. Ah oui? Pourquoi? Je leur dis, enfin, je leur dis que je sais qu'on a annulé parce que c'est. Alors ils me disent, ouais, mais 10 000 c'est trop cher pour 20 minutes. Je dis, bah oui, mais c'est pas parce qu'on joue que 20 minutes que au moins ça fait ramener les gens quand on joue qu'il y a Kramer et tout. Puis ils disent, ouais, mais on reverra si vous revoyez vos tarifs. Je dis, mais putain, mais déjà 2 000 dollars, c'est ce qu'on peut faire de mieux. C'est mort. Je leur dis qu'on est 5, ils en ont rien à foutre. Non mais la prochaine fois sera plus cher pour eux. C'est ouais, ça. On va revoir nos tarifs. Ah ouais, mais c'est ce que je leur ai dit. Je leur ai dit, ah bah si on va leur revoir nos tarifs, si vous voulez, ouais, mais dans l'autre sens. Ah oui, ça va être dans l'autre sens. Déjà que 10 000 c'était cadeau. Bah carrément, non, c'est bon. Mais oui. Pas bon. En plus, c'est pour être très bien choper les subventions, ça sort. Ah ouais, mais il va se faire foutre. Ah ouais, tant pis. Il va avoir Kramer Enzozo dans son pouce. Et pour ça, je t'ai dit, là, sur la devanture, un bon nouveau capitaliste du Nord, Radeng, ça serait joli. Pas compte. Papy? Oui. Tu me prêtes 10 000 balles? Je les ai pas. Tu me prêtes 5 000 balles? Si tu veux. C'est vrai? Putain. Bah pourquoi pas? Bah, je m'attendais pas à ce que tu dises oui en fait. Parce que tu les reverras pas. Bah si c'est prêté, c'est normalement vrai. Je les reverrai. Ouais, tu les reverras, mais bon, il faut le temps que je les passe. Hein. Faut que tu sois au courant c'est sûr. De ça. Hein. Le temps, bah, t'as bien vu le nombre de concerts qu'on fait, hein, donc... Oui. Bon, normalement, bon, je dois avoir ma paye demain, donc... Je voudrais savoir, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui bosse au... Pawn Shop? Au Pawn Shop? Pas du tout. Non, pas du tout. Mais rentrer au 198 Club, il me semble qu'ils les connaissent. Ok, ah, ça marche, merci beaucoup. Ouais. Je demandais, c'est un voisin. Oui, si t'as besoin d'argent, oui, je peux te les prêter. Ouais, je suis endetté, je suis dans la merde et tout, je dois de l'argent à un gang, putain, ouais, super ouais, grave. Ouais, le gang il s'appelle le gang de Glendale, non, ça sent. Exactement, ouais. Tiens, c'est pour acheter une bagnole. Oui. Mais c'est, pour allez. Acheter une bagnole 4 places. Ah, double musique, c'est l'enfer. Ouais. C'est quoi ton numéro de compte? Vous voulez pas juste vous décaler de 2 max, 52,98 et il a raison, on va se décaler. Attends. Parce que j'en peux plus les doubles musiques. Ouais, on va se décaler, tu me redis ça. On entend encore mal. Oh, j'ai un fin de moment, j'avais pas entendu ce morceau. Ah. C'est... 52,98. Non, t'es gourée, c'est pas ça. C'est 54,74. Non, ça c'est le tien. Ouais. Bah c'est pas ça le galère. Ah bah non, ça c'est pas ça non. Marre. Non. Ah bah. Quoi? Il s'est fait écraser. Ça, fout, ça va? Ça va? Gabin? Attends, ouais. Ah bah, on est d'accord qu'il y a Gabin là? Qui Gabin? Ça le fils de roi. Je le connais pas Gabin. Là c'est Gabin? Non. Hey, regarde, si... Vraiment, ça regarde si t'as reçu l'argent. Oui, ça dépend des points de vue, oui. Ok, ça semble vachement gamin, là, j'en face de moi. Non, ouais, c'est bon, j'ai reçu, mec, merci. Quoi? Ah, il a dû se gorer, du coup. Oh, et merci. De rien. Trop sympa. Alors, 14 000. Elle est à combien déjà? Elle est à, je crois, 19 650, une connerie comme ça. Vas-y, faut que je mendie. Faire la manche. Il y en a pas d'occasion? Non, il n'y a pas d'occasion. Je peux vérifier, mais à mon avis, non. Et c'est vraiment celle-là que tu veux ou c'est parce que c'est une 4 places? Non, c'est vraiment celle-là que je veux parce que c'est une 4 places et parce que on peut faire quelque chose qui nous. Enfin, qui me ressemble et qui nous ressemble. D'accord, je vais partir, c'est pas, je vais mettre 100 dollars. C'est quoi ton code? 52,98. 52,98. Moi aussi, je vais participer. Oui. Putain, vous êtes trop sympas, les potes.
Comment il s'appelle le médecin là? Il m'avait envoyé son numéro pourtant. Il est où? Oui, c'est bien ça, Bouchia, c'est bien. Qu'est-ce que t'as trouvé? Attends, parce que tu me fais toutes les poubelles, tu me ramènes toutes tes trouvailles. Attends, deux secondes. Moi, ça, il m'a ramené des trucs là. Il faut pas le vexer. Qu'est-ce qu'elle a? Un showcase de Galax. John McField. Elle est pas là. Oh. Quoi? Qu'est-ce que c'est, ça? Pourquoi il y a plein de trucs par terre? Je sais pas comment il s'appelle, le mec du... C'est de nous a ramené tout ça. Ah, j'ai trouvé une tasse pour faire de beer pong. Il a ramené une tasse pour faire de beer pong. Hey, il a une photo dédicacée d'un gars, je sais pas ce que c'est. Bah, tu pourras la revendre sur internet si... John McField, c'est qui ça, John McField? Bon, j'espère que notre donation te fait plaisir, hein. C'est beaucoup d'économies que j'ai remis pour pouvoir te faire plaisir. Moi, j'ai mis tout l'argent qui me restait. Non, ça, c'est quelqu'un du Nord. Sympa. Vous avez mis un truc? Ouais. Moi j'ai mis 13 dollars. Ah bah c'est trop cher. Ah bah t'as mis plus que moi, du coup j'ai moins 10. Eh bah y'a pas de petit profit. Oui bonsoir. Oui bonsoir, vous êtes le médecin? Ouais tout à fait. Ah j'ai cherché votre numéro, je suis Patrick Lemar. Je sais pas si vous vous souvenez de moi, j'étais venu une consultation, vous savez, on avait fait un scanner pour un cancer. Oui, je vois par rapport à ça. Voilà, je voulais voir si vous aviez pu voir pour un traitement ou quelque chose. Là, actuellement, comment dit-on, j'étais en train de voir avec les supérieurs par rapport à ça. Écoutez, ils m'ont dit qu'ils ont potentiellement trouvé un traitement par rapport à ça, qu'il faudra... juste prendre rendez-vous avec le directeur et moi-même. D'accord. Et si vous voulez, on peut prendre rendez-vous pour vous pour demain, hein, si vous souhaitez. Hein. Alors pour demain, on est quoi demain? On est lundi. Oui, on peut faire ça demain soir, oui, si vous voulez. Si c'est pas trop tard, je sais pas à quelle heure. 22h30, 22h, ça vous convient? Ouais, 22h, c'est parfait. Bah, c'est parfait alors. Ok, super. Je vous remercie. Et merci beaucoup. À demain. À demain. Je pense que c'est dommage. J'ai reçu, je suis à... Oh là, ça doit se compter en bouti. Oh, le coup, il doit se faire chier. On va bouger. Je crois que c'est 19 900 et quelques. Attendez-vous. Je suis à 19 067. Non, mais il faut vérifier c'est combien exactement. Moi, je sais plus. En plus, il y a les custos. Ça coûte cher, les custos, en général. Ah, mais non, quand c'est que la statique, ça va. Oh oui, je m'en bats les couilles qu'elle ait pris. Moi, j'en ai rien à foutre. Ah, mais tu t'es changé, Kramer. Moi, j'en ai tout avec mon manteau. Mais... Vas-y, on bouge. Ouais. Là, elle est où? Ah, on bouge. Mais on va où? Ah, moi, je veux bien bouger, mais je sais pas où on va. Ah, bah, je crois qu'elle bouge dans les fruits là-bas. Ils sont pas sérieux. Ils sont de l'autre côté. Attends, mon frère, j'arrive à l'hôpital, on s'est fait chier. Bon bah on va à la frontière alors. À la frontière. À la frontière. À la frontière. Et alors ? Oui, salut Ruby, c'est Patrick. Vas-y, je conduis, pas d'âge. Enfin, attends, ça s'affiche sur mon téléphone. Ah, bah super. Je vais pas me faire emmener. Et Je suis devant toi. Hein. Ah, bah ouais, je suis là. Pardon, j'avais pas vu que t'étais là. Bah, du coup, c'était pour te dire que mardi, le concert, il était annulé. Oui, je sais bien. Voilà. Je le sais depuis avant-hier. D'accord, bon. Mais tant mieux. J'ai mis trop de temps à te le dire. Samedi, le concert, il est annulé. Vendredi. Qui n'est pas là, donc c'est sûr que c'est annulé aussi. D'accord, mais de toute façon, vendredi, je n'aurais pas été là non plus. Bon, ben voilà, tant mieux si c'est annulé. Du coup, je te tiens au courant dès qu'on a un prochain concert. Oui,
pas de problème, voilà. Bon, t'importe, attends, mais tout ça, je te prends ma genre en faille. Ouais. T'as de la merde, ta bagnole. C'est pour le coyote, c'est ça. Je suis monté dedans, elle est tombée. Vraiment, attends, je la mets dans le coffre. Hop, ouais. Voilà. On doit parler trop à deux. Bon, désolé du coup, et je te tiens au courant si jamais. Si jamais on voit pour autre chose. Oui, il n'y a pas de souci. Si jamais je suis pas réveillée, tu peux demander à Kin qu'elle m'envoie un mail. Ok, pas de problème. Ça va ? Ouais, ça marche. Merci en tout cas. Nickel. Bonne soirée. À vous aussi. Merci. Bye bye. Allez, moi j'ai pas fait tomber la portière, tu vois. Bah, attends, t'es en train de me... quoi, t'es en train de me dire c'est ma faute, c'est ça que t'es en train de dire ? Non, pas du tout. Ah, ça se parle. Je suis juste en train de dire que j'ai moins de force que toi. Ah, je suis juste mis mon cul dans la caisse, c'est vraiment pas très soleil. T'es sûr que tu veux passer de ce côté ? Ah bah non. Oh, la dernière fois, j'en ai chié. Ah, je t'avais oublié. C'est quoi, c'est le punch-up là avec toute sa voiture ? Bonne question. Ouais, je pense. Ah, sûrement, oui. T'inquiète pas pour la musique, hein, tu auras pas de soucis à diffuser ce genre de truc, je pense. Ouais, ouais. Si jamais ça te tracasse. Non, 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 ça me tracasse pas, t'inquiète pas. On va même passer par au-dessus pour être sûr. Hein. Je sais pas trop où est-ce que ouais. C'est qu'il y a des petits problèmes dans la tête. Mais la dernière fois, je suis passé limite, je crois. C'est juste au bord de la piste, non ? Qu'il y a des problèmes. Je crois que c'est entre la piste et le... Et la première habitation là, qui est après la piste ou un truc comme ça. Ouah. Le premier hangar, ouais. Peut-être au début de la piste, ouais, je sais pas. C'est vrai. Ah, j'ai entendu un coyote, tiens. Ah bah ouais, ça brûle un petit endroit. Ça sale, non ? Ouais. Là, t'aimes bien la route, hein ? Ouais, ouais, ça prend ça. Et finalement, tu vois, j'aurais dû prendre ça. Je suis allé acheter une voiture... au pawn shop là, la dernière fois, et après je pouvais plus, elle démarrait plus, tout ça, bon, elle était bloquée dans le garage, machin. Du coup j'ai racheté une autre voiture, et celle-là elle m'a coûté bien moins cher que celle que j'avais pris. Celle-là elle est à 10 000 dollars neuve. Bah ça paraît étonnant, c'est pas une voiture très haut de gamme, mais bon ça s'en fait. Non mais ça va bien quand même. C'est une 4 portes. Je te vois sans prévenir l'agent, ouais. Qu'est-ce qu'elles sont chiants. Et on va où du coup ? Alors on va à la frontière, parce que j'ai entendu mes outils n'ont pas attendu, comme dans Battlefield. Ah oui. Et t'es à fond, Kramer ? Oh, Kramer à fond, j'ai jamais vu Kramer à fond encore. Ouais. Il a de tension son mec. Oh, pour moi, j'ai l'impression que vous êtes tous à fond, alors... La seule fois où je l'ai vu à fond, c'est quand je lui ai fait le crack. Ouais, il le sait pas, hein, qu'il a pris du crack. Ah, il a pris du crack ? Ouais, je lui ai fait prendre. Je lui ai fait mettre un petit peu de crack dans son joint l'autre jour. Bah, t'étais là, t'étais là. Ah, mais c'est ça la tibétaine ? Ouais. Ah, oui. C'est ça la tibétaine. C'est pour ça, c'est du... je lui ai dit, c'est du pollen blanc. Bah, le pollen blanc, ça n'existe pas, c'était de la poudre, mec. Ah, voilà. Oui, d'accord. Ah, ouais. C'est pour ça, j'en ai fait prendre à ton tonton, toi. Puis je me suis dit, allez, il faut pas refaire de jaloux. Du coup, j'en ai filé aux deux Mac Barrett. Ah, mais c'est pour ça que Kin, elle était hyper énervée. Ouais. Ah, oui, d'accord. Ah, mais je comprends mieux. C'était pour ça. Mais tu sais que. Enfin, ils le savent pas, on leur dit pas parce que sinon ils vont pas être. Ben non. Et tu sais que. De toute façon, ils ont pas été accro, donc ça va. Une fois, je cherchais des. Comment ça s'appelle ? Chercher des objets, tu sais, à la plage, là, dans le sud. Et Ah ouais, avec les détecteurs de métaux, ouais, j'en ai entendu parler de ça. Et t'as un mec qui arrive et il me demande ce que je fais, tout ça. Bon, ben, j'y explique. Et il me dit, tu veux de la frappe ? J'ai dit, je sais pas ce que c'est, moi, la frappe. Bon, il a vu que je comprenais rien, il s'est barré. Après, quand j'ai demandé, en fait, c'est comme ça qu'ils appellent la cocaïne. Oh,
c'est comme ça qu'ils appellent la drogue en fait. Ah, la drogue, la frappe, ah oui, parce qu'au moment on m'a dit la cocaïne. C'est défonce, qui est de la frappe. Non, ah oui, d'accord. C'est de la drogue en général. Bah, du coup. De la bonne drogue. En fait, la frappe, ça veut dire de la bonne drogue, soi-disant. Après, ça veut rien dire parce que les mecs ils disent tous que c'est la meilleure drogue qu'ils ont. Bah, c'est jamais vrai. Bah, du coup, tu sais que tu peux en trouver là-bas, quoi. C'est pour ça que je dis ça. Ah non, t'inquiète, je mets. Ouais, non, t'inquiète, je déplante, t'inquiète. Ça marche. Ah, mais il est là, Kramer. Ah, bah, frontière, c'est là. Oh ah bah putain, oui. Ils font un blocus, les poulets de marde. Attends, je vais rapprocher la bagnole histoire qu'elle comprenne un peu l'état d'esprit. Je vais exprimer un peu ma haine du poulet à travers la mosaïque. Mais vous perdez vos couilles, hein! Yeah, allô? Ah bah montre-moi, Baez, vas-y, montre-moi. Yeah, allô? Elle te dit qu'elle a kidnappé des agents de police. Yeah, bon, j'ai. Ouais, vous faites monter la pression avec les Speedy chez les Baltringues. Ouais, bout de Baltringue, putain! Allez, tous vous faire foutre, un cop, ça des putains de bastards là, bande de compos de merde! Me suis fait raqueter par vos amis des poulets hier! Ah, il s'est fait torturer aussi! Ah, j'ai l'antidrogue là, avec la meuf et le mec là, c'est des vendeux, c'est des putains de fils de pute! Jane, tu vas voir! Des poulets! Ah, tu le fais super bien! Mais c'est vrai, toi! Avoue, t'admires mon poulet! Ah, bah ouais! Tu regardes trop la croupe du poulet là, attention, je t'ai vu! Hein. Et j'arrive pas. Ah non, c'est nous qui devons aller le voir au pop. Ok. Il faut qu'on reparte. Ok. Ah, visiblement, ouais. Et bon, on repart. Bah, après, attends, on n'a pas encore parti. Attends. Hein? Elle a kidnappé des policiers, leur a mis des sachets sur la tête. Là, tu vois les sachets qu'on a posé ici, là. Ouais. On l'a posé un peu partout. Chez... Salut, ici, ça va. Ouais, il faut pas qu'ils sachent que je suis du sud, moi. ouais, t'inquiète pas, bah au pire, tu leur dis que t'habites avec nous, bah, ils comprendront. J'arrive pas, putain, ça me fait chier. Allez, j'ai faim, j'arrive pas à bien me caler là pour m'asseoir pour manger là, et ça veut pas. Ah, t'emmène au pop, tu vas pouvoir te caler là-bas. Ah, bah ouais, ah, bah je vais lui laisser ma voiture, easy, allez. Voilà, c'est ça. Ouais. Arrête pas de me faire des blagues, ça. Ouais, hey, et je pars avec Kramer là au Pops. Et tu je te laisse ma voiture. Bah, ça rend ? Bah ouais, il veut aller là-bas. Bah, sans nous. Eh, je sais pas. Bah, moi aussi, j'aimerais savoir ce que veut Telford aussi. Il nous fallait cachoterie ou quoi, eh ben, Kramer là ? Eh ben, viens alors. Non, Kramer, il veut. Bah, on va peut-être venir. On finira la discussion. Venir, ouais, il m'a dit venez, ouais. Ok. Je crois, ouais, ok, ça marche, à de suite. Hop. Ouais, c'est vrai que c'est pas con ça. J'ai même si je suis du sud, mais je squatte, bah tu me diras, s'il faut, un jour ils me font les papiers d'eux-mêmes du sud, du nord. Ah, bah c'est ça, tu pourrais peut-être changer de nationalité. Peut-être, ouais. Ah, mais j'ai déjà vu ce raccourci la dernière fois, tu me l'as fait prendre avec ma voiture, mais elle est pas 4x4 moi, ma voiture. Ah ouais, c'est vrai. Ça s'est fait un petit peu rappeler le carénage, désolé. C'est mieux avec Christy, hein. Oh, allez, hop, hop, hop. Wouh. Allez, tout doux. Hé, Kramer, tu sais garder un secret.
Bon, bien sûr, j'en ai plein des secrets. J'ai quelque chose qui me tracasse depuis quelque temps. Oh, qu'est-ce qu'il y aura ? Qu'est-ce qu'il y a en patence ? Ouais, tu sais que j'étais pas bien là, plusieurs fois. Bah ouais, quand on a été à la peste, c'était ouais, un peu mais même, même avant, j'étais pas bien. Souviens-toi, au 198, la première fois que... Non, pour le concert. Ouais, ouais, je me souviens. J'étais pas en forme. Et bon, mais en fait, ce soir-là, j'ai voulu faire des examens, tu sais, à l'hôpital. Ouais, bien et, il m'avait enlevé une tumeur, tu sais, à l'estomac. Ouais, ouais. Et ben, ils ont revu quelque chose à l'estomac. Qu'est-ce que ça fait ? Ben, je sais pas. Et je viens d'avoir le médecin au téléphone, j'ai rendez-vous demain pour essayer un traitement. Mais faut que t'en parles aux autres, patence. Ben ouais, mais je veux pas les inquiéter. Mais évidemment qu'ils vont être inquiets, ils t'aiment, c'est normal. Mais c'est faut qu'ils soient au courant, si t'arrive quelque chose, t'imagines comment ils seraient tristes. Ben ouais, mais bon... J'ai peut-être... tu vois, je vais essayer de voir avec le traitement si ça va mieux. Au moins, ils seront pas inquiétés pour rien, tu vois, mais bon. Fallait que je le dise à quelqu'un, j'arrivais plus à garder ça pour moi. Bon, t'as bien fait de m'en parler, mais... Moi, je te recommanderais déjà d'en parler aux autres. Et puis surtout, n'hésite pas à consulter un psychologue, hein. Parce que, t'étais en rémission, t'étais guéri, t'as de nouveau des trucs, ça doit faire un soc, quoi. Ah ben ouais, ben t'as vu dans l'état que j'étais l'autre soir, là. Bah bien sûr. En 98, là, c'est... Ben je te dis, je sortais de l'hôpital quand je suis allé là-bas et j'ai... Ah, j'étais pas bien. Attends, il faut que tu vois un professionnel. Ouais, mais j'attends de voir le traitement, là, demain. Ouais, tu me tiens au courant. Ouais, je te tiendrai au courant. Il faut que t'en parles aux autres, hein, c'est important qu'ils le sachent. Ça marche. Ouais, puis t'inquiète pas, si t'as besoin de thunes pour tes soins et tout, pioche dans la caisse de Kramer & Zotou, hein. Oh, ça, niveau thunes, ça devrait aller. Je travaille un petit peu, toujours, donc... Ouais, je vois. Donc toutes les semaines, j'ai un petit peu d'argent. Bon bah, si jamais c'est pas suffisant pour ton traitement, tu nous en parles, hein. Ça marche. Merci. Ah ouais. On va aller se boire une bière pour oublier tout ça. Allez, c'est parti. Oh, ferme la bagnole, attends. Putain, moi, il faudrait que je fasse passer le SA Cleaning chez moi, mais je crois qu'ils sont fermés encore. Oh, ils sont pas ouverts souvent, ceux-là. Hein. Ah, ils sont fermés, ouais. Ah, mais y'a Tonton. Salut, Kramer. Bonsoir. Salut Tonton, bonsoir. Bonsoir. Salut papy. Salut, qu'est-ce que ça ? Vous avez besoin d'un journaliste ? Ouais, ils ont un scoop. Ouais, c'est cool, c'est quoi le scoop ? Je sais pas moi, c'est lui qui t'a appelé. Ouais, on a pas dit que vous avez un scoop. Prenez vos contacts, il vous contactera. Ouais, je vais vous contacter après. Ah. C'est moi, vous avez tous des cheveux comme ça dans votre famille. Le journaliste, passe-moi ton number, s'il te plaît. Tous des soyeux. De mon numéro. Prends le MVP, prends-le aussi. Parce que j'ai compris, ils vont mettre une fusée dans le dos comme ça, je pourrais aller. Putain, ils vont t'envoyer sur la lune. Dans la lune. Ouais, bah il nous a parlé d'astronomie. Apparemment, il a envie de fly. Ouais, ça fait longtemps qu'il veut ça, ouais. Du coup, ouais, on va essayer de voir. On a trouvé des. Comment ça s'appelle, les feux d'artifice polonais. Ça peut faire décoller un homme. Ouais. Ah, c'est pas mal, ça. Pour faire l'oseille, l'homme fusée. C'est bon, t'as eu le numéro ? En vrai, les Polonais sont pas mal inspirés des Russes, et les Russes en espace, ils sont calés. Hein. Ouais, après, il te faudra quand même mettre un casque, parce que... Ah bah bien sûr, Tu connais le spectacle homme fusée, t'as déjà vu ? Ah oui ? Canon. Bah, on va essayer de faire ça avec lui. Ah ouais, c'est pas mal. Encore plus qu'il est. Ouais, ouais. Toi, c'était quoi ? Toi, c'était... Quoi, c'était Kramer le numéro ? C'est Kramer, ouais.
Ah bah du coup, c'est des connaissances, hein. Bon bah... Ça va être les... Ouais, t'inquiète, merci pour le ton cousin. T'inquiète, je vais t'appeler. Pour ok, le pas sans problème. Ouais, y'a pas de soucis. Okay. Bonne soirée les mecs, hein, là-bas. Vas-y, bonne soirée. Putain. Du coup, Otto, ils m'attendent. Tu es pas en train de faire tirer ta caisse, là? Non, non, c'est easy. On va me dire où est quand, comme ça on n'aurait plus qu'à filmer. Ah, ok, okay. A... Voilà, Ami. Bon, donc on va tout là, ça va travailler un petit peu quoi. Ça chef. Ouais, ouais. Ah ouais, quand ouais. Tu vas travailler. Ça va, tu vas travailler. Tu vas travailler. Ah ouais, le capitaine, c'est bon. Ah bah c'est ça, ouais. Je vais travailler pour ton Telford, c'est pas quoi. Ah bah ça s'appelle travailler quand même, visiblement. Ouais, vas-y, on file chercher. Ouais, mais on a un problème de style de type chien. Du coup, on doit reporter. Allez-y. Bah. Pourquoi? Ah, mais ouais, mais là, du coup, on est dans... on se retrouve bah, avec. Attends. Bon, bah, ils sont partis. On va monter derrière. Attends, vas-y, je vais monter derrière. Ouais, vas-y, papy. Prenez pas trop de risques, les mecs. Hein. On se fait quand même aller bosser en zone de garde. Vous avez pas de carte de presse. Hein. Ah, ouais? Ah bah c'est à dire que moi je vais passer les cordons de flic, moi si je suis sur place les flics ils me poseront pas de questions mais vous... Ah mais il va y avoir du pampan et tout ça là. Ah ouais apparemment ça a l'air sérieux de ce qu'on m'a dit ouais. Vous oserez vous de prendre un taxe ou de piquer une... Il y a la bagnole d'olive là. Vous irez les rejoindre hein. Oh, si elle est ouverte. Appelez les qui viennent vous chercher. Allez ça marche. À tout à l'heure. Je vous rejoins après. Oh. Ouais. Elle est ouverte la voiture d'olive. Elle est fermée, bon, on va prendre un taxi. Oh, ouais, mais taxi, ils sont fous ici. Ben, on va prendre un taxi, on va aller au garage le plus proche et j'ai une voiture à la fourrière. Moi. Bah. Ouais, après, c'est pas très loin, hein, le garage. Il a pas les tours. Ah, faudrait qu'il soit ouvert par contre. Et ouais, attends. Ouais, c'est le problème, attends. Il est ouvert. Vas-y, tu vas au garage à Paléto, je vous emmène. Ah, ben il est ouvert, ouais. Bah, ah, vas-y. Je vous emmène. Allez. Je vais faire réparer Christy aussi. Faut qu'elle soit belle quand même si elle passe à la télé. Accroche-toi bien, tonton. Bah oui. Oh là, oh là, oh là, calme-toi. T'as envie qu'elle te fasse faire un non, soleil ou quoi? Fais, je me suis contrôlé. C'est parti. Hein. Attention de pas glisser. Attends. Ah, avis. C'est bon ah. Bon, ça a l'air de tenir, on verra. Bon, si jamais tu cries, hein. Ok. Oh, c'est passé quoi, les gars, là? Sur le Tika, ça marchait pas, ça. Bonne question. Ouais, je sais pas, moi, je me suis. Après notre biture, je me suis réveillé tout à l'heure. Ah. Hier, apparemment, Elzy s'est fait taper par des coffres. Ouais, il s'est fait. Il s'est. Oh putain! Ça va? Il est où? Je crois qu'il est tombé, je crois que tonton est tombé. Non il est là tonton. Ah bon? Ouah y'a un hélicoptère. Y'a un hélicoptère. Ouah c'est la première fois que je vois un hélicoptère d'aussi près. Mais oui j'ai là tonton, je suis con. Ouah. Bah ouais, oh. C'est bon. Ici. Oh, il est. Forme ce dame. Bah, soit. Il est bien coloré. Récupérer hein. L'hélico là Bob. Ah, merci Bob! Wouah! Il est parti si vite! Ouais. Salut! Merci. Bon, fais-moi la facture! Ouais, ça va, pour 2 fois 75$, c'est bon! C'est bon! Attends, ton! Hey, t'as pas 100 balles! 100 balles? Ouais, si! Enfin, faut que je te retire, mais. Plus la fourrière en plus! Putain! Ça t'embête pas de prendre la facture, ça te rembourse plus tard! Oh, bon! Attends, je vais manger un bout, moi! Ouais, c'est pas de quoi la réparer! Putain, j'en ai des trucs. Oh merde.
pas le scooter de Kramer, ça. Hop là. Ah ouais. Par où, comme ça, s'il y a un concert. On va aller voir ce qu'est. Ah putain, d'ailleurs, faut que j'appelle le patron du Pearl. Là. Ah, j'ai vu que t'as trouvé une date pour le Pearl. Non, pas encore. Non. Moi, à partir, moi demain soir celui-là, mais après je vais partir en séminaire après. Yes. Et ouais, c'est ce que tu disais l'autre soir. Là. Ouais. C'est là. Oui, bonsoir, c'est Patrick. Si. Oui, je vous appelle pour le concert qu'on avait discuté pour peut-être vendredi prochain. Si. Bah du coup, j'ai pas de chanteuse vendredi prochain, donc ça va être compliqué. Si. Est-ce que j'aurais, je pense que j'aurai du monde mardi. Est-ce que vous pensez que vous serez dispo mardi? Vous m'avez dit que vous avez un concert mardi. Et si, mais il a été annulé. Ah, mardi ça va être compliqué, hein. Ouais, bon, tant pis, on essaie de trouver une autre date alors. Si, on peut essayer de trouver une autre date, oui. Ok, mais Mais demandez au groupe quelle date les arrangerait. Ouais, ok. Et redites-moi, je vous dirai si c'est pas. Je vois avec eux et puis je reviens vers vous. Mais je pense du coup que pour la semaine prochaine, ça va être compliqué. Oui, bah c'est pas. Verra pour grave. Celle d'après, du coup. Oui, voilà, c'est pas grave, il va falloir demain. Allez, ça marche. Merci beaucoup. Si. Gracias. Bonne soirée, au revoir. Si, buenas. Oh, c'est que 35 ans pourtant. Oh, si vieux que ça, non? Ah, mais c'est le bel âge, ça, 35 ans. Ouais. Ah, parle-toi, Elmer le Sasseur. Ouais, bah, je me rappelle d'Elmer le Sasseur. Regardez ça quand on était mios. Il se Bugs Bunny. Il était sauve et tout, il avait aucun feu. Elmer Food. C'est pas ton scooter ça, Elmer? C'est pas ton scooter ça, Elmer? Attends, peut-être. C'est offert? Je crois que c'est lui, il est resté là depuis tout ce temps. Bah, essaye de l'ouvrir. Ah, on dirait. Attends. Ah, bah, t'as un moyen de locomotion? C'est pas s'il est à moi. Bon, alors, monsieur le chasseur. Ouais, ouais. Donc, c'est ça bon. Sera 275$, je vous ferai la petite facture. Ouais, ouais, ouais. Merci tonton! Mais je suis pas sa sœur moi, je vais être astronaute. Ah, astronaute, excusez-moi, ouais. Excusez-moi. Bah, c'est tout bon, hein, monsieur Albert? Elmer. Elmer, oh putain, je vais y arriver, hein. Très beau t-shirt. Ouais, vous pouvez m'appeler tonton, hein. Tout le monde appelle comme ça. Hein. Ah ouais, je peux vous appeler tonton? J'ai jamais eu de tonton. Bah, ah ben voilà, tonton. Maintenant vous en avez un. Hein. Vous en avez un. Hein. J'ai un tonton. Ouais, c'est le tonton de qui vous voulez, hein. Il est sympa ce prêtre. Ah, monsieur Kramer? Ouais? Alors, vous enquêtez là sur cette secte étrange là? Epsilon là ou c'est pas quoi là? Ah, les trucs avec les 1-0 là? Ouais. Ouais, ouais, moi j'enquête pas, mais ça veut dire on a des copains qui enquêtent dessus là. Ouais, parce que j'avais croisé Kim et tout. Ouais, bah moi je les écoute enquêter parce que je comprends rien leur truc. Scrammer, on peut pas leur dire ça. Mais c'est vrai que ce que certains disent ou pas?
Oh, excuse moi. Que genre vous êtes plus un vrai punk. Hein? Que ça moi? Ouais, que vous êtes plus un vrai punk parce que bah, maintenant vous pensez à faire du bénéfice. Ah oh, ouais, j'aime bien l'argent. Bah après j'aime bien la musique punk, j'aime bien le rock'n'roll. Qui c'est qui de manière, qui moi j'ai jamais été un punk, hein. J'ai toujours été une rockstar. Ah vous savez, hein, y a plein de gens qui émettent des rumeurs farfelues sur tout et tout le monde. Ah ouais, non mais... Ils sont que des zalous. Hein, exactement, ouais, ils ont complètement zalou de succès. De manière, Tonton il vous le dirait si c'était plus vraiment un punk. Ah bah non. Il a un punk dans l'âme, si vous voyez. On vit dans des taudis. Ouais, on vit dans un squat. On vit dans un squat, on vit d'air pur et un peu d'eau fraîche. Ouais, il y a pas mal d'eau fraîche. Surtout de bière quand même. Il y a pas mal de bière, ouais. Ouais, bon, c'est. C'est-à-dire, vous, c'est vous, le robinet rouge, il sert à l'Ossonne, nous, il sert à la Cronenbourg, tu vois. Ouais, ça. Il est tellement faussé, bah, c'est moi qui ai payé la facture. Donc. Ah ouais. Alors. Voilà. Si y en a qui disent que c'est pas un punk, bon, pas ce que c'est. Hein. Bon, ça veut dire que j'aime bien l'argent, mais j'aime bien surtout l'utiliser, quoi. Ouais. On fait pas des investissements, tout ça, pour gagner de l'argent plus tard, quoi. On a l'argent, mais on gagne. Mais là, vous avez des événements qui arrivent. Ouais, il y a un bientôt. Ouais, c'est ça. C'est Papy qui dit, c'est lui manager. Ouais, c'est notre manager. Ouais. Mais bon, et comme le groupe est pas totalement disponible, c'est un peu chaud de trouver des dates. Ah mais d'ailleurs le Pearl mardi il pourra pas. Donc mardi il faut faire autre chose du coup. Ouais, faut préparer la salle de répète. Ouais. Faut trouver une autre boîte pour qui veut nous prendre en concert. C'est ça. Ah, ça doit être compliqué tout ça. Un petit peu. Ah, c'est de l'organisation. C'est de l'organisation, tout à fait, c'est pour ça qu'on est un manager. Même quand on s'organise, et ben des fois ça va pas. Ouais. Surtout quand les entreprises elles préviennent pas que les concerts ils sont annulés et qu'on y va quand même. Exactement. Ah, ça fait... ah ouais. Ça c'est vraiment. On prépare tout, on répète et tout ça. Et après on dit bah non, nanani, nana. Ils ont payé quand même. Bah ouais. Non. Si t'inquiète, nous on fait raquer, nous t'es malade. Ah, si on nous convoque à venir et qu'on nous prévient que le jour même ou même 5 minutes avant, là, c'est pas la peine. Cochon, normalement, c'est vrai qu'on a des relations sur lesquelles on envoie une armée d'avocats. Ce qui s'est passé la dernière fois. C'est vrai, la dernière fois, ils avaient une armée d'avocats. Ça, ouais. 4 avocats. Vous avez payé comment? On se débrouillait, on se rend service. Il n'y a pas que l'argent. Hein. Pas que l'argent. Des fois, il y a des. Ouais, mais l'argent, c'est bien aussi. Ouais. Mais des fois, il y a des exemples de bons procédés. Exactement. Sans ce bon procédé, on rend service et puis ils nous rendent service. Il est attaquant de justice, comme ça. Ah, c'est clair que. Ah, bah nous, à Kramer and the Zoo, quand on dit on va vous foutre un procès au cul, on déconne pas, on l'a déjà fait. Hein. Ah, ouais, attention. C'est déjà arrivé. J'ai vraiment l'impression de voir double quand je vous regarde. Il l'a même fait au LSPD la dernière fois. Ah, ouais. SPD, ils ont pris l'armée d'avocats, ils sont pris plein de procès dans le cul. Exactement. Et ça va faire bien mal. Et bien, sur ce, messieurs, dames, je vais parler de plein de choses avec mon patron. Je vous laisse. Ouais. Et puis à bientôt pour un futur événement. Ouais, très bien. Est-ce que vous pouvez juste me sortir un véhicule de fourrière, s'il vous plaît? Bien sûr, dites-moi, qu'est-ce que c'est? Je sais plus comment ça s'appelle. Esperanto, un truc comme ça. Je vais regarder ça. Oui. Ah, c'est parfait. Merci. Alors, petite facture. Hop, et voilà. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée, monsieur. Et merci, vous aussi. Bon, Samuel, tu es dans tes pensées, là? Non, attends, je regarde un petit truc. Regarde quoi? Ouais. En fait, ils m'ont pris pour toi au début. Ah, ils t'ont confondu avec moi. Bah ouais, c'est pas pourquoi, d'ailleurs. Bon, je vais... Ils sont partis faire quoi, Izzy et Olive, là? Ah ouais, moi non plus, je sais pas pourquoi. Et ma facture? Ma facture, ah oui. Izzy Olive, je sais pas où c'est qu'ils sont allés. Alors, ta facture, donc. Appelle-les. Tout à fait. Oh, c'est les plus.
Ah, ça fait. C'était pas le Easy des mondes parallèles là. Non. Enfin, on a retrouvé le... l'ancien. Ouais, il était surpris, Easy, et. Il s'est réveillé à côté de moi. Au squat. Et il m'a vu, il a dit mais non, mais qu'est-ce qu'il fout là, papy? Bah oui, parce que c'est vrai que t'es venu dormir avec la maison. Eh oui. Ah, mais j'y suis resté deux jours, hein. Ah ouais. Bah, t'as pas. T'as pas des étoiles hier? Ah non, non, non. Ah, hier, fallait regarder les étoiles. Il y avait ah, bah, je l'ai. Je l'ai cuvé. Ah. Oula, c'est quoi ça? Coy. Soirée ambiancée. Ouais, bon, on les connaît, soirée ambiancée au coy. Soirée sans prise de tête. Ah, bah, tant mieux. Il est ouvert le LTD là? Non, il est pas ouvert le LTD là-bas. Non, je crois pas. Ah, vous faites quoi? Ah, le LTD, il est ouvert le LTD là-bas? Non, mais je crois qu'il parle au téléphone. Bah non, on est déjà à Paléto. Alors, relou. Ah! Mais Z, c'est bizarre. Ah, il a l'air ouvert, hein? Ouais, tiens, il est ouvert. C'est chiant, quand t'as des différentes vitesses de dans la démarche, là. Et bonjour, madame. Et bonjour. Ouais, y'a personne. Ouais. Il est ouvert. Ouais. Ouais. Non, je crois qu'il y a rien. Ouais. Bon, en fait. On peut. Et ouais, il est à vendre, regarde, on peut visiter l'entrepôt là. Ils ont la place ici. Ah ouais, on peut... Ah oui, il y a l'entrepôt. Du coup, comme il est vide, il y a plus trop de matières premières. Bah ouais. Bon, on va sortir. Comment on fait pour voir... capacité. L'âge. Il est où? Ah mais t'es là, je t'avais pas vu. Bon, ah bon, en fait il est pas ouvert quoi. Enfin, il est ouvert mais... Il est à vendre. Ouais. Tu veux qu'on achète un LTD? Oh non, c'était juste curieux. Ah mais tiens, il est parti, Grammer. Oh, du coup, vous faisiez quoi alors tout à l'heure là quand vous avez appelé? Vous étiez à la frontière? Ouais, j'ai rien compris à la frontière. Je crois que les flics ils font les bloquer ou je sais pas quoi. Bon. Après, il y a Easy là, il s'était fait hier. Apparemment, il m'a dit qu'il s'était fait choper par le SPD, il l'avait torturé et tout. Bon. Je trouvais bizarre cette histoire là. Les SPD ils font la torture maintenant? Ouais, c'est bizarre ça. À quoi il joue? On va où d'ailleurs? Ah, je sais pas. Qui est ouvert? On va regarder. Il n'y a pas LTD d'ouvert. Ah, il y en a un à Grove Street. Mais Grove Street, c'est dans le sud, ça. Ouais. Sinon, il y a quoi? Ouais, le Beaux Arlais, ouais, là. T'as rien d'ouvert ce soir en fait. Hein. Ouais, il y a le bin machine là avec leur truc périmé là. Ouais. Le 198 qui veulent pas nous payer. Ouais. Apparemment le. Comment ça s'appelle? Apparemment le roi il pourrait donner des subventions pour ceux pour les entreprises. Ouais. Mais ils ont pas envie de leur demander, c'est trop cher. C'est trop cher dans tous les cas. Ce qu'ils nous ont dit. Attends,
même avec des subventions. Ouais, même avec les subventions, en fait, pour eux, c'est trop cher ce qu'on fait, 10 000 dollars pour. Voilà. Ouais, bah, oublié. Hein. Ah oui. De toute façon. Et c'est quoi ça ici? Quoi? Hein? J'ai un petit truc sur mon GPS là. Il me met les points d'intérêt le GPS. Attends. Frère. Bah, il faut sonner pour entrer. C'est pas. Qu'est-ce qu'il veut lui à côté? Ça a arrêté de nous regarder là? Ce sera parce qu'il a la... il est dans ta voiture. Peut-être, ouais. Elle est jolie hein, ta voiture, t'aimes bien. Ah, elle est pas mal celle-là aussi, mais ouais. En plus, il n'y a pas de porte derrière, tu vois, mais tu peux te glisser quand même derrière le siège. Là. Ah, on peut monter. Ah oui, ouais. D'accord, c'est cool. Toi. C'est pas mal. Ouais. Je crois que par là, il n'y a rien, non? Non, sauf si tu passes par la Syrie, mais sinon, il n'y a rien. Ouais. Après, la Syrie, pas tout terrain. Voilà, c'est ça. Bah écoute, ouais. Bah viens, on va dans le sud, hein, si ça se trouve. Oh, y'a le feu là, non? Où? Ah non, c'est les cheminées. Ah, non, ouais, c'est les cheminées, ouais. Ah, ils fument beaucoup les cheminées. J'avais cru voir des flammes. Mais non. Ah, je crois que je deviens fou. Non, non, c'est normal. Ben, au pire, on va dans le sud, si je passe des choses là-bas. Ouais, si tu veux. Et Easy Olive, ils ont pas dit oui, voilà, ils partent comme ça. Non, attends, je vais les appeler. Ouais. Allô? Ouais, vous faites quoi du coup? Bah, t'es pas avec Kramer, je suis avec Kramer, t'es où? Mais non, Kramer, il est. Il va sur une zone de guerre, il nous a dit, il faut pas venir avec lui. Une zone de guerre? Ouais. Ah ouais? Ben nous on est là, on est, on est avec Tonton là, ben on est devant le squat là. Devant le squat, donc, ouais. Okay. Ouais mais Tonton, tu sais, moi je veux pas voir sa gueule, toi, donc on va pas, je sais pas, comment qu'on peut faire, à la limite vous passez un magasin des masques et tout, vous achetez un masque pour couvrir sa tête de trop de gueule. Ah ouais, et puis comme ça on pourra venir. Ouais. Allez ça marche. Ouais, il faut que t'achètes, okay. Il faut que t'achètes un masque pour couvrir ta tête, Tonton. Ouais, et c'est chaud aussi. Ouais, et après on va voir Izzy. Non, on va faire des. Ouais. Faire des margoulins. Ça va pas trop compris. Je sais pas. Ouais, et vous, du coup, tu m'envoies un point ou quelque chose? Vous faites, vous êtes où? Bah. Ah bah super, Doc, Marseille. On est à l'hôpital de Saint-Déchir, là. On va sûrement aller acheter une voiture après, comme ça, tu vois, on pourra travailler. Ça marche. Tu seras plus bloqué. Ah, mais j'en ai une autre. Va te faire voir, frangin. Ouais, t'as... Ah, mais c'est bon, t'as réussi à la ressortir. Alors. Ouais, c'est bon. Ouais, c'était un problème avec le garage, nous aussi on l'a eu l'autre jour. Je pense que c'était le même jour que t'as eu le problème. Bah écoute, j'arrive à Sandy Shore là. Ouais, ça marche. Allez. Bah, écoute, à de suite alors. À de suite. À de suite. C'est bon, c'est super inconnaissable comme voilà, ça. Voilà, Sandy Shore. Ouais. Ouais, et après c'est à droite. Là comme ça, super reconnaissable. Attends, là, je me concentre sur la route. Ah, vas-y. Ah, on peut essayer, mais il voulait que tu couvres les cheveux aussi. Ah, oh, ok. S'il faut trouver des habits, c'est pas à Sandy Shore qu'il faut aller. Hein. Ah ouais? Va à route 66 en face de la Pose Harley. Allez, ça marche. Attends, je le rappelle du coup. Ouais. Allô? Ouais, du coup, on va à la route 66, là, chercher un masque, et puis après, on arrive. Ouais, ça marche. Si on bouge entre-temps, je te le dirai, mais je pense allez, que okay. Vous aurez le temps d'en arriver.
À de suite. Il faut bien que ça couvre sa tête de shérif, hein, parce que si je vois sa tête de shérif, on va lui casser la gueule. Il y aller tout droit. Faut bien que ça couvre. Que ça couvre sa tête de shérif. C'est ça qu'il a dit. Sa sale tête de shérif. Sa sale tête de shérif. Ouais, et aussi ses cheveux. Aussi tes cheveux. Ouais, ça je lui ai dit déjà. Ok, ça part. Un pack. Et toi, n'hésite pas à te faire un petit look rock'n'roll pour être un bordel de merde, pas pris. Ouais, mais moi c'est. Tu commences à l'être de plus en plus. Moi c'est. C'est Olive, moi, qui me fait les looks. Ah, papa. Oui. Eh, rappelle-toi près de moi. On nique bien le système pour être un bordel de merde. On nique le système. Ouais, on nique le système. Non, avec plus de rien, putain, je veux t'entendre dire que l'on nique le on système. On nique le système. Non, avec plus de rien encore. Vas-y, il faut que ça sorte de trempe. Non, le nique pas. Hey. Ah, mais si, non, mais si, alors. Tu le niques, mais tu le niques du fond de corps. Il faut que ça vienne de la trempe. Je suis dans. Bah, nique le système, voilà, ça, c'est bon. Ah, oh, putain, non, on va devoir travailler là-dessus, papa. On va travailler là-dessus, c'est pas grave. Bah, putain, j'étais dans un chemin de merde là. Allez, à tout à l'heure. Ouais, rock'n'roll, papa, rock'n'roll. Ouais, rock'n'roll. Ouais, il est fou ce Easy là. Attends, lui, il est revenu, hein, notre Easy. Ah oui. Il est revenu. Je vais niquer le système. Je sais pas par où je suis passé, mais je crois que c'était pas la meilleure des routes. C'était pas le plus rapide, mais bon. Vas-y, tourne à gauche. Il y en a un au magasin de vêtements, ouais. Ouais, il y en a un là, ouais. Bonjour. Bonjour. Père Noël, il cachait tes cheveux, je crois. Ouais, mais c'est pas rigolo. Ah. Il est pas mal, Père Noël. Ouais, mais non. Attends. Ah ouais, ça te va bien, tiens, le clown. Ouais, mais ça casse pas les feux. Oui, mais je crois qu'il n'y a pas grand-chose qui cache tes cheveux. Ah, si, si, attends. Ah oui. Ah ouais! Ouais, mais non, pas assez. Pas assez, ouais. Ouais, ouais, et on dirait la crête! En vrai, le poulet il passe, hein. Ah, mais ça attends. Cache pas le visage! Ah oui, c'est con! Thomas, misez sur lui là. Mais bon, Thomas. Et pendant que tu choisis, je vais pisser! Et je reviens.
Alors, t'as trouvé quelque chose? Ouais, attends, j'en ai trouvé un. Ah. Lui, il est pas trop mal. Ouais. Sinon, il y avait lui. Ouais. Ouais, c'est pas mal. Bah, tes cheveux, on peut dire que ça fait partie du déguisement. Exactement. Ou lui, là. C'est pas le même? Non. Lui, il a une barbe. Il faudra que t'enlèves tes lunettes, par contre. Ah, non. Ça fait partie aussi? Ah, mais non. Ah, si, non, parce que... Ah, mais non, 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 garde tes lunettes. Ouais, voilà. Oui. Sinon, ouais. Ah, celui-là, il est pas mal. Ouais, allez, prends celui-là, ça ira. Câble ça. Et des baskets. Et merci. Des vestes. Ah, il y a des affaires aussi, il faut se sonder. Non, non, non. Je pense pas. Il l'a pas dit, hein. Il nous aurait dit de toute façon, il dit. Oui. Il est à l'hôpital de Sandy Shore, il m'a dit. Ah bon? Est-ce qu'il est arrivé encore? Je sais pas. Il a dû faire le con en dormant et quand il s'est réveillé tout à l'heure, il m'a dit il faut que j'aille à l'hôpital. Ah. C'est peut-être filé une crampe à l'astico. Ah, possible, possible. Ouais, j'ai roulé sur le panneau. Ouais, sur le panneau. Ouais. Ça me met aussi de faire un petit tour à l'hôpital, c'est vrai quand même. Ça me gratouille un petit peu là. Je savais même pas qu'il y avait un hôpital à Sandy Shore. Ouais, si, si, il y en a un. Il est grand. Hein. Vite, ah oui. Yellow? Non, personne. Ah si, il est grand l'hôpital, ils se voient de loin. On se voit d'ici là. Ah ouais? Ah ouais, regarde. Ce tout gros droit. Truc là à droite? Ouais ouais, non, tout droit là, vas-y. Tout bon. Droit. Et tu tournes là, Emergency là. Là là là. Virginie. C'est ça l'hôpital 110. Ah. Vas-y vite, tu peux avancer, vas-y toi à droite. C'est le bâtiment à droite là. Vas-y, tourne. Ah c'est le bâtiment à droite là? Voilà, et là, là encore. Emergency. Ah oui! Elle est où l'entrée? Elle est de l'autre côté. Ouais, elle est là, ouais. Oh bah y'a. Bah y'a Kramer. Y'a Kramer, ouais. Mais y'a Olive aussi. Qu'est-ce qui t'est passé? Oh, mais y'a. Salut. C'est Fid? Oh, mais... C'est Fid? Ah ouais. Ouais. Ça va, Fid? Ah, il va bien, Sid. Ça faisait longtemps, Sid. Mais Tiens, prends une croquette. Ah, ça, c'est mon doigt, doucement. C'est bon, là, on peut foutre le bordel. Je sais pas, on devait rejoindre des gars du BCSE qui voulaient foutre le bordel. Bien, ah, bah, content de te revoir. Ouais, ouais. C'est... Non, mais je... Ouais. Bah, va, toutou. Sinon, ouais, moi, c'est demain, mon truc, t'inquiète. Hein. Oh. Le gars m'a dit... Bah alors, t'es pas bien. Il m'a dit oui, et après, quand je lui ai redemandé, il m'a dit... Ah, oh, bah non, ça, mais ça, ça a l'air d'aller mieux, quand même. Ça va. Ça marche. Bon. Heureusement que c'est demandé. Mais oui. Comment ça va, Olive? Oui, ça va, ça va. Un petit peu capoute, mais ça va. Et ouais. Toi? Ouais, c'est vraiment que c'est pas vu. Pas moi, ça va. En fait, on... On fait que se croiser, ouais. C'est ça, ouais. Sauf la dernière fois... Ouais, si tu veux, Olive, demain, j'amène Tonton à l'aéroport pour son séminaire. Tu voudras venir l'accompagner pour dire au revoir? C'est à quelle heure? Demain soir, ouais, on verra demain soir. Ouais, ouais, prendra un avion dans la soirée là pour dormir dans l'avion. Bah écoute, pourquoi pas, ouais. Bah ouais, on t'accompagnera, on te fera un bisou. Ça va nous manquer pendant une semaine. Hein. C'est vrai que tu seras pas là pendant un bon petit moment. Ouais. C'est beau, les deux clébards, ils sont soignés. Moi j'ai besoin. Attends. Clébard numéro 1, check. C'est pas un clébard, c'est un cire. Ouais.
le Klebs, le Klebar, c'est pareil, c'est pas méchant. Et je vous l'ai dit que le Pearl c'était mort mardi. Non. Et voilà. Oui, si, et mardi, faudrait... l'idéal, ça serait de préparer la Narplex pour un petit concert. On pourrait avoir le Salieris qui fait la bouffe. Ah, oh, pas ouais. Vrai. Oui. Pas vrai. Oui. Thomas explique pourquoi l'autre, il a pas un truc sur la tête pour cacher sa tête de chef. Et parce qu'il l'a pas mis, ce con. Oh, pardon. Ah, bah, je parle pas, c'est là sa tête de Funk. Ça a mort. Funk Charles. Je vais lui dire qu'il a oublié de le mettre. Bon, on est là, bah, c'est bon. Ouais, vas-y, on est bon, hein, si tout le monde est rafistolé, on est bon. Hein. Ah, bah, où? Concession. Ah putain, c'est vrai qu'il y avait ça. Oui, mais pour foutre le bordel là, du coup, dans le sud, c'est. Non, on n'a pas encore d'infos. Il faut attendre, c'est en bas. Faut attendre, c'est ça. On est d'accord. Ah. On peut aller vers le bon. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Il y a chaud le PC ou quoi? Attends. Pas chaud, j'ai pu. Toi qui es ici, à tout de suite, tu viens me chercher. Oh, ça va. Les FPS qui sont pas bien, mais. Ce n'est pas force de proposition. C'est exactement, je suis pas force de proposition. Écoute, on se book demain. Je suis force d'exécution. On fait un brainstorm et puis on sera force de proposition après dans notre pipeline. Ouais. Ah, quel enfer. Tu vas monter une start-up et on va boire des smoothies et s'asseoir sur des poufs. Bah, on a zéré un label, hein, déjà. On connaît le langage, hein. Ouais. Ça te rappelle qu'on a fait des rendez-vous avec des labels du Sud où ça parlait encore plus guindé. Hein. C'est vrai. D'ailleurs, moi, ils ont réouvert ces connards. Ce qui me fait peur avec votre histoire d'Anarplex, c'est qu'il y a peut-être des chances qu'il n'y ait pas grand monde. Hein. Parce que contrairement à faire un événement ailleurs, je sais pas si on est assez installé dans le sud pour qu'il y ait du faut monde. Faut faire des flyers, ça. Faut faire des flyers. Moi, je peux faire une annonce à la presse avec des réductions. Mmh. Ouais, faut que les gens ils puissent bouffer à l'œil. Non, pas bouffer à l'œil, ils payent leur conso à celui qui vient. Faut voir avec le Salieris s'il peut faire une petite offre, genre pas un menu gratuit, mais genre un menu assez, un menu offert ou un truc comme ça. C'est ça. Ouais. Ouais, bah après, c'est son business à lui, c'est pas le nôtre, ça. Une consommation assez, une bière offerte, par exemple. Ouais, c'est son business à lui, c'est pas le nôtre. C'est ce que je veux dire, nous, c'est. Nous, on va gagner de l'argent uniquement sur les entrées. Au téléphone France. Oh, j'ai une super idée. Dis-moi. On donne des flyers aux chiens. Ouais. Tu vois, on les met là autour de son collier. Ouais. Et puis il fait notre pub. Et il donne des flyers aux gens. Il les apporte dans sa petite gueule toute mignonne là. C'est ça. Ah. Ouais. Attends. Sid, assis-toi devant là. Là. Ici là. Viens, là, ici, là. Donc lui, ta petite gueule toute mignonne. Non, non, reste assis. Fais voir comment t'es... Oh, regarde comment il est mignon. Oh, il sourit. Oh. Regarde bien de près comment il est mignon. Oh, il sourit. C'est bien. Comme ça, tu vas pas faire peur aux gens. Tu leur fais un grand sourire et tu leur aboites et tu leur donnes un petit flyer. Mais... Tu te sens de le faire, tu te sens de donner aux gens. Oh, il va participer, on va lui faire des beaux flyers. Regarde comment il sourit, il a l'air machiavélique en fait. Je vais faire un flyer, je suicide le sien et je t'invite au concert de Kramer and the Zoo. C'est ça. Ah, c'est bien ça. On pourrait gribouiller un truc, un petit dessin avec, ça pourrait être pas mal. Bah, c'est ça. Attends, un petit dessin de lui. Oui. Je pense que ça. Faut mettre sa patte en signature. Ah, il a l'air content, il sourit, hein. Ouais, c'est comme il est content. Ouais. Faut pas qu'il le fasse trop longtemps parce qu'on dirait un peu un saint psychopathe à force. Ouais, t'as vu, on est d'accord. En plus, des fois, il te regarde avec un air blasé. Ouais, c'est pas, il me fait les yeux doux, là. Ouais, on se moque un peu, non mais t'es mignon.
Ça pourrait être pire, tu pourrais ressembler à tonton. Oui. Non, encore pire. Tu peux ressembler à Izzy. Oh. Non, mais y'a que Izzy qui peut ressembler à Izzy. Ouais, ouais, si tu ressemblais à Izzy, là, putain, tu ferais peur aux mamies. Hein. On va te faire la crête, ici. Si Izzy c'était un chien, ça serait quoi? Moi je dis un teckel ou un chihuahua. Un cocker. Un cocker? Attends, c'est quoi déjà? Un Jack Russell. Ouais, mais un cocker. Mais justement, les cockers, c'est sage, alors qu'un chihuahua, tu sais, ça aboie tout le temps, là, c'est énervé. Ou un petit bulldog qui bave. Un caniche. Ah ouais, c'est vrai qu'il bave bien. Un caniche nain. Là, ça aboie tout le temps aussi. C'est plus toi. Toi, tu serais plus un cocker, justement, tu vois. Ah, moi, je serais plus un basset. Tu vois ce que c'est, basset? Ah ouais. Le cerf de Colombo, là. Mais oui, tu serais tellement un basset. Mais c'est les tracteurs, ça. Oh putain. Les bassets Ferguson. Sur tes oreilles, là. Exactement. Ça inspire la pitié aux hommes, mais pourtant, je suis d'anciens sas. Ouais. Et moi, je serais quoi comme chien? Ah, toi, tu serais genre un boxer. Ah ouais. Vas-y, stylé, les boxers. Ah, ça va beaucoup aussi, mais c'est moins petit qu'un bulldog. Ouais, mais bon, après, ça c'est un peu les chiens de racailles, je trouve. Ou un American Staff. Ou alors un bull terrier. Tu sais, les chiens qui ont une grosse musculature là. Ouais, un American Staff, moi je serais. Ou alors bull terrier aussi, c'est bien musclé. Et ça a les yeux tirés vers l'arrière là, tu vois ce que c'est? Bull terrier. Ah ouais, les bull terriers, attends, c'est. Ça c'est vénère. Ah dirait... oui. Même quand ils sont à l'arrêt et qu'ils courent pas, on dirait qu'ils courent parce qu'on dirait qu'ils vont vite. Ouais, c'est des chiens qui ont la gueule en ballon de rugby, là. C'est ça. Ouais. Ah, j'avoue. Et papy, ça serait... J'adore ce jeu. Papy, ce serait... Mais papy, c'est un chien papy. Berger, ouais, peut-être. Ouais, c'est encore là. Ouais. Saint-Bernard, t'as que ça. Carrément. Ressort. C'est pas un Saint-Bernard, c'est un husky, ça. Non. Oui. En fait, on joue un... On joue un jeu, on essaie d'imaginer quel chien on serait. Mais... Alors, dans l'ordre, Chihuahua, Yorkshire, Teckel. N'importe quoi, je crois qu'on a Teckel. Ouais, le Teckel, il est là-bas. Non, toi, c'est le Chihuahua, il a dit. Attends, par contre, pour le coup, Doc, tu seras un Labrador. Un Labrador? Ouais. Je pense que tu seras un Labrador. Ou un berger allemand. Ah, peut-être un berger allemand. Ouais, un berger allemand, peut-être. Ah, j'aime bien les bergers allemands. Moi, je serais un chien avec des gros muscles. Si j'avais un chien, ce serait un berger allemand. Moi, ce serait un lynx. Ah, c'est pas trop un chien, ça. De quoi? Un chien, le lynx? Non. Avec mes yeux de lynx. Non, je crois pas que c'est un chien. Plus un serpent avec ton cheveu sur la langue, mais... Oh. Essaye de dire « et confiance » pour voir. Ayez confiance. Ouais, c'est vrai, ça. Ouais. Bon, le serpent malade, quoi. Il a pas la lueur dans ses yeux, le serpent. Mais... il a des yeux vitreux. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Il est en train de se. Ouais, il est encore au téléphone, ouais. Là. Ouais, il est encore au téléphone. Ouais. Je crois qu'il appelle sa mère. Ouais, moi, je vais faire un petit dodo. Hein. Vas-y. Je vais me caler sur site. Pauvre chien. Quand on part. Hop. Oh. Ouais, si, oui. Ah, ouais. Dites-moi, Doc, vous auriez pas un petit doliprane, là, c'est un c'est mal de crâne. Donc, qu'est-ce qui se passe? On sait pas, la gueule de bois, comme d'habitude. Hein. Mais t'as souvent mal à la tête, toi, en ce moment, je trouve. Comment on combat le mal de la gueule de bois? On m'a dit, il faut mettre un œuf dans un café, et après, il faut se mettre des cotons-tiges dans les oreilles. Mais franchement, c'est pas ça, non? Non, c'est pas ça, il faut reboire. Ah ouais, ça c'est, mais attendez, moi c'est des apicolés, ça fait mal au crâne. Bah ouais, mais c'est que t'es redescendu, il faut boire. Le principe c'est d'être tout le temps bourré. Je vais regarder combien il me reste sur mon compte, mais je crois que je peux même plus assez apicoler. Ah. Il me reste 39$, c'est une bière avec ça? Je pense, ouais. Peut-être, je sais pas. Bon, bah viens, je vais m'occuper de toi. Ah bah merci. À mon avis, il doit appeler son père, sa mère, ses cousins.
Peut-être. Il y a une grande famille. Ouais. Ils m'entendent, vous ? Ils m'entendent, tonton ? Mais non, ils m'entendent pas. Faut pas la bouche bouger. Faut ce bordel. M'entends, tonton? Putain, ça va pas. Hein. Ah ouais, d'accord. En fait, je parle tout seul depuis tout à l'heure. Pour recours. Oui. Ça revient. Ouais. Je regardais la barre, elle avait pas bougé. Je croyais qu'il y avait le micro qui déconnait. J'achète une Glendale parce que c'est 4 places et comme ça peut être trop stylé. Et puis moi j'en ai marre de me balader avec une bagnole de merde. Ouais. J'espère. Vous m'entendez ou pas là? Ouais, bah c'est, oui, c'est ah bordel, ouais. Putain, j'avais le chat dans la gorge, j'arrivais pas à parler depuis tout à l'heure. Après. Attends. Ah oui, après, et pourtant j'en ai donné des noms de chiens. Je pourrais dire au chef Frou, s'il te plaît, que si il veut que j'entends juste avec que je lui parle, qu'il faut il fallait que tu mettes ton masque au fait. Ah ouais, Fifi, mais ah, masque, c'est attends. Pas les tocards qui est ouvert. J'espère que la Glendale est là-bas aussi, mais c'est pas dit. Ok, bah tout ça, pas c'est les tocards, Valence. Qu'est-ce que t'en dis? T'emmènes vos livres? Bah ouais, après, t'as pas dire à l'ancien sheriff qu'il est pas validé son masque parce qu'on voit trop ça. Mais non, il te fait une blague. Non, mais c'était le premier. Vous allez voir. Bon, celui-là savait que ça allait pas passer. On va au conseil. J'ai pris celui-là. Pas non, les c'est pas celui-là. Non. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Pas les tocards. On pense que c'est attends, un voiture. Ça bon, y a deux voitures. On a 120. Est-ce que tu le valides celui-là? Après, t'as pas d'air à l'ancien chef. Non, il le valide pas. Alors, t'entends pas. Alors, attends, on fait le troisième. Et mon tonton! Ah, mais tu m'as cassé un phare! Ouais. Pas les taux alors? Ah, c'est pas entendu.
On va pas les taux jouer, je crois. Concessionnaire. Qu'est-ce que tu foutais à poil? Ah, je remets mes affaires. Ah. Je crois que je vais la revendre, celle-là, voiture. Ouais. Ouais, j'ai l'autre, là. J'ai pas besoin de deux. Bah, avant combien? Parce que moi, tu trouves pas de voiture. Je ne sais rien. Je l'ai payé. Je sais pas, t'as combien? $11,000. Oh, c'est trop. Je crois que je l'ai payé. Je crois que je l'ai payé 11 000. 8 000, allez. Ok. Pour avoir avec le concept qu'il faut. Ouais. Non, un pawn shop. Oh, ok. Attends, je sais plus si c'était celle-là. Si, c'est celle-là. Non. Si, c'est celle-là. Non, parce qu'en fait, j'en ai vu une qui était. Quand j'en ai essayé deux, là, quand j'y suis allé. J'avais essayé une qui était à 8 000 et une qui était à 11. Et c'est celle-là que j'avais payé 11, oui, c'est ça. Du coup, elle te va pas? Bah, j'en ai deux. Ah. Y'en a une qui me sert à rien, quoi. En plus, j'y ai mis la transmission dessus, donc elle envoie un petit peu plus au démarrage. Ok. Faudra que tu mettes ton masque pour Easy, il m'a dit. Ah, ok. Tout de suite, là? Bah, quand on sera arrivé, je pense. Ah, ok. Là, tu vas avoir chaud, sinon. Vous êtes suffoqué, ouais. Ils sont là. Hop. Oh, t'as qu'à le mettre maintenant. Pourquoi tu marches comme ça, tonton? T'es pas bien? Ça va pas, tonton? Ouais, j'ai besoin de me contrôler, attends. Ah. Son père. Ouais, il va falloir appeler, j'imagine. Ah, c'est trop pour la voiture, ça va s'appeler. Faut voir si elle est là, la voiture. Alors. Hop, ouais, tiens, vas-y, rentre. Vérifier d'abord si elle est là. Voilà. T'as vu les anti-satons, Id? Allié ou pas? Ouais, ça me prend ouais, je lui ai dit de mettre le masque. Ah, hein. Quoi? Tu vas pas me rendre de la tonne. Hein. Pourquoi? $5,000. Pourquoi? Y'a quoi? Elle a $5,000. Comment ça, elle a $5,000? Ah ouais? Elle a $5,265. Mais non, c'est la Glendale Custom. Ça, on s'en bat les couilles, on peut rien faire. Ah, y'a un def. Ah, bien sûr. Bah, du coup. La Custom, elle y est pas. Ah, elle y est pas. Oh non. Ah, peut-être c'est pas au même endroit, c'est peut-être pas dans le même truc. Sur le catalogue. Peut-être, mais en tout cas. Non, c'est pas dans les sportives. Non, c'est dans les derniers. Ah, c'était dans les sportives classiques, attends. Classique, ouais. En tout cas, Non. Elle est pas dans sportif classique non plus. Non, non, en ville, c'est dans les. C'est dans les. Dans les. Ouais, pas les prix. Génial, ça. Ah, j'ai trouvé. J'ai trouvé une voiture, j'adore. C'est plus une voiture du nord que du sud. En fait, ça. La Zodiac Camper. Moi, j'en fais quelque chose qui fait nordiste, mais sinon, pas vraiment. Au premier abord, t'as pas l'impression que qu'elle a ça dans le sang. Bon bah, de quoi est-ce que c'est ouvert dans le sud? Bleh. C'est dans quoi déjà? Non, c'est un concessionnaire, en fait, dans moi. LS Pawn Shop, ouvert et pas les trop corsés, tout. Bah, peut-être si on a une au pawn shop, allez demander quand même. Voilà, sans m'entendre, hein.
Ah mais c'est... Ouais, appelle-le, demande-le. Eh, moi, mais je crois que... pensais pas, ouais, je pensais pas qu'il y aurait une rebelle au Pawnshop, et il en avait une, et c'était la mienne, en plus. Ouais, mais rebelle, je pense, c'est un peu plus répandu qu'une dans le class fungal, là, dans le custom, toi. On voit beaucoup des rebelles, voilà ce qu'il raconte. Non, mais bon. Des glandes dans le custom, encore, moi. Ouais, c'est vrai. J'ai l'impression qu'on m'entend pas, maintenant. Attends, mais pour le LS Pawn Shop, il y a un catalogue des bagnoles. Attends. Ouais, ils ont un petit catalogue. Je le numéro de Fleck. On bouge, c'est ça? Bah, je vais appeler déjà, savoir un petit peu comment ça va se passer avec lui. Oh, bah putain, véhicule d'occasion, tu parles, c'est que des trucs de richou. Alors vraiment, la plupart c'est quasiment que des... Tu regardes sur leur site. Ils savent pas gérer leur thune, ils claquent tout dans les bagnoles, ils sont obligés de les revendre après quand ils font faillite. Ouais. Oh, y a un... Attends, quoi? Zeus Latifa, soirée sans prise de tête ce soir, 23h30, au quoi? Ouais. Y a une soirée sans prise de tête, moi j'aime pas trop me prendre la tête, hein. On pourrait aller pas se prendre la tête là-bas. Bah, carrément, mais... Ah, moi je veux la voiture du clown. Je suis en train d'appeler là, mais ça d'accroche pas. T'es en train d'appeler LS. Ah, Didi. No flag. Faut que tu valides mon dernier masque. C'est bon là. Après, tu pourras dire à ton temps que c'est toujours pas validé parce qu'on voit ça, Tenias. Mais ouais, mais non, mais ouais, ça fait partie du masque. Mais celui-là, il est assorti. Donc ouais. Du coup, ça se passe là. Là, il fait partie du masque, ça, Tignas. Les ouais, McBarrett, mais... on n'a pas les cheveux qui se laissent faire comme ça. On a ah bah, sont après, t'as pas dire à tonton que c'est niveau que je le parque qu'il faut qu'il se fasse une crête. Faut que tu te fasses une crête, tonton. Oh, ça met de la vie, il peut ressembler à Ivy. Ah ben voilà. Et bim. Après, tu pourras le dire tant pis de ma part, stop. Et, tant pis. Oh, regarde. Des prix, toute la panoplie. Y'a pas un vrai. Non, comme ça, c'est pas bon. Fais pas assez peur. Y'a pas un vrai numéro. Après, t'es pas le dire quand je vais réfléchir. Ah, il est en train de réfléchir là. Oh putain, ça va prendre des siècles. Peut-être. Mais c'est fermé. Après. Le gars. Bon, bah, tant pis. Après, les cheveux, ils font partie du masque aussi. Pourtant, il est pas si tard que ça, il va être minuit. C'est pas assez tard, justement, non? Je m'endors, excusez-moi. Ah bah, ouais. Vas-y. Il arrive à s'en dormir. Je pense que ça prend racine, là. Attendez, ça prend bien racine. T'as essayé d'appeler le concessionnaire, il a pas un numéro. Ah, mais non, c'est le standard. 918, machin, ça casse les couilles. Bon, vas-y, on va y aller. On va où? Mais je sais pas! Je sais pas, parce que on peut se taper avec des gens, mais en fait on peut pas. On va à la frontière, on va voir ce qui va se passer déjà. Ouais. Ouais. À mon avis, les BCSO ils vont pas nous appeler, faudra qu'on soit sur place. Hein. Ouais. Ça y est, je viens d'appeler pour justement qu'ils nous signalent et ils m'ont promis qu'ils allaient le faire. On va aller voir le champion, on va regarder mon glace. Je sens que ça va se passer à 3h du mat cette histoire. Ouais, ça, je mange pas tant de deux ans, je vous le dis. Ah mais t'as défoncé ma bagnole. Elle fume. Non. Ouais, elle fume de fou. Bah ouais, demande à la frangine pourquoi que ça fume. Elle est après ta voiture. On va aller peut-être les réparer, non? Quand tu parles d'après... Bah, moi je ferai gaffe, elle prendra pas plus de pattes, mais ouais. C'est... Ah mais y a pas les toits qui est ouvert, on va à côté si tu veux. Vas-y. On va la réparer à côté. On va rejoindre la frontière, on va faire réparer la voiture. Merde, j'avais laissé ouverte. C'est pas arrêté, je vois trop sa tronche de charif que j'ai pas envie de le défoncer. Et ça va pas? Ça va pas?
Non, ça va très bien. C'est quoi cette... Ah... Ah oui, merde, pardon. T'as pensé... Tu peux pas travailler, tu travailles pas ici, toi? Si, si, oui. Je travaille ici, si, si, si. Et tu, avec l'enfant, t'as pas travaillé? Ouais, t'inquiète pas, qu'est-ce qu'il y a? Bah, on sait pas, Alpha, t'es peut-être raté, Alpha noir encore. Il y aura un petit problème. Ok, mais on va voir ça. Bah, attends, je dois payer la facture parce que la frangine l'a abonné. Ça m'énerve. Et après, c'est étonnant que je veux pas qu'elle conduise. Qu'est-ce qu'il fait lui là-bas? Faut pas qu'il y ait une barrière. Ah, faut pas chercher à défendre. Casse-toi d'ici là, casse-toi. Il fait peut-être partie du front du F à B, front des anti-barrières. Ah, peut-être, ouais. Je crois qu'on va arriver à faire une crête à tonton. Non. En plus, il part demain. Non, mais c'est pas grave. Je ne pars pas, je parle pas. Ah, bon, bah, tant mieux, tant mieux. Ouais, je suis dehors avec lui, mais je te rappelle qu'on a un groupe de punk avec cet enchef. Eh oui, mais ça j'ai bien compris. Oui. Et ça, c'est pas rock'n'roll. Qu'est-ce qu'il fait? Voilà. Papa, ce qu'il fait. Un truc de chef. Prince, il l'est plus, il y a peut-être une raison. Ouais, mais il l'a été. Il a signé le petit document, il a porté le petit uniforme, et tout. Ouais, c'est vrai. C'est moi ou la dame là, elle a. C'est pour qui la facture? Bah, c'est pour moi, mec. C'est savoir toi, ouais. Maman. C'est moi ou la dame là, ma faute, elle, a... elle porte rien. Et ça dépend, putain, fois, ça dépend du point de vue. Point après les... Okay. Bon, bah, on dirait que c'est 300 000 dollars, je veux dire. Torse nu. Ah oui. Ah non, c'est ma ligne, hein. Faut arrêter de voir des mal partout, hein. Par moi, c'est fini, ça. Pervers. On fait qu'une voiture ou. Non, deux voitures, Sabin. Je vais faire le plein de la tienne, par contre, il n'y a plus de sens. J'avais fermé. Moi, je descends, ça va. Ça va pas, tonton? Bah, si, pourquoi? Bah, je sais pas. Faire le plan, vite fait, bien fait. Ah, ouais, non, je suis en train de réfléchir. Ouais, j'ai l'impression que tu réfléchis beaucoup là ce soir. Ouais. Ah, c'est par rapport à mon. Par rapport à. Mon départ là, demain, là. Plein de choses à penser. Ah, ouais, normal. Mon séminaire. Et en même temps, c'est tout excité. Ouais. Bah du coup ils vont t'apprendre à voler. On va faire de l'observation. Parce que là c'est le... Là c'est les périodes des... Va. Ouais, je m'attends de la musique. Ah. Et de l'observation là. Là c'est les perséides là à ce moment. Et du coup beaucoup d'observations à faire et puis il y a des éclipses en même temps. Donc du coup faut... Ah ouais. Ouais. Pas pour mon voyage encore. Encore pour le planifier. Tu pars avec tes instruments et tout? C'est-à-dire avec ma batterie? Non, avec les trucs pour regarder là, dans le ciel. Ah, avec mes télescopes et tout, ouais, ouais, bien sûr. Ah ouais, ils t'en prêtent même pas au séminaire. Ouais, mon pendule, tout. Ah ouais. Oh, je sais pas ce qui s'est passé, mais... Ouais, il a encore un calot aux toilettes. Ouais, il a chié pas loin de nous, là. Ouais. C'était pas Easy. Ah, c'est peut-être Easy qui a brisé le mur du son. Peut-être, ouais. Il est comme ça, oui. Il va où, d'ailleurs, Easy, là? J'ai pas compris. Là, on va à la frontière. Ah, ok.
Alors hier, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas compris. Hier, hier, il s'est fait torturer, je crois, il a dit. Torturé par le LSPD. Et il a fait quoi? Je sais pas. Je sais pas, il s'est fait arrêter ou je sais pas quoi, il s'est fait torturer. Il a toujours il a toujours tendance à exagérer les choses qu'il dit. Bah je sais pas hein. Si torturé, ouais, je suis sûr qu'ils l'ont juste posé deux ou trois questions, ça l'a torturé l'esprit, donc, ouais. Ouais. Il a tendance toujours à en radouter. D'accord, ouais, bah, si c'est que ça, ça va. Ouais. Tu lui dirais que t'as dit que ça lui a fait du bien, qu'il l'ait torturé. Oh ok. T'es au point d'en dessus avec lui. Mais non, je plaisante. Pas tout le temps que tu es sérif. Oui. Ah oui, j'ai dit tout à l'heure que tu l'étais plus. Il m'a dit oui, mais il a quand même signé les papiers, il l'a été. Ouais, mais tout le monde lui dit. Hein. Même les sérifs lui disent, mais il est pas resté longtemps. Hein. Et... Il y en a même qui me connaissent même pas en tant que sérif. Hein. Donc voilà. Ah oui. Clairement. Ah bah oui, en plus il doit y avoir pas mal de nouveaux depuis maintenant. Ah sûrement, bah ils ont dû en bosser depuis. Ah ouais. Après c'est vrai que je m'entendais bien avec le CEF. Ça faut pas lui dire. Ouais mais ça il le sait déjà. Enfin je crois. Mais il lui rappelle pas parce que sinon ça va lui. Bah non. Et là, du coup, l'histoire des masques, c'est pour faire quoi là? J'ai pas compris. Je sais pas, il m'a dit que. Je crois que. Ah, mais si! Il va faire le bordel dans le sud. Non, c'est parce qu'il a dit que si tu mettais pas de masque, il te parlait pas. Ah, mais c'est uniquement pour ça. Eh oui, mais je savais pas moi. Oh! Ah, c'est pour ça qu'il parlait, nanani. Ah! Ah c'est pour ça qu'il parle à moi pour que je te parle. Mais bon, ce qu'il comprend pas, c'est que tu l'entends. Qui me parle. Ouais, mais. Ouais, il y a des fois, il vit du mal à cerner. Ouais, moi ça va, Ouais, non, ça va en ce moment. Ah, des fois, il sait pas. Des fois, il est con et il sait pas s'il le fait exprès ou pas. Je sais pas. Ah, mais des fois, ouais. Après, s'il le sait qu'il est con, il le fait exprès, mais s'il le sait pas. Des fois, il fait sa tête de con, mais après, des fois, c'est pas s'il le sait. Peut-être, hein. Alors ils sont où? Ils sont garés là-bas. Par contre, j'ai un problème. Attends. Non, t'as du mal à te contrôler. Ouais. Il a du mal à se contrôler, tonton. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais tout le tout chien! Bon alors, qu'est-ce qui se passe? Elle a glissé. Bon alors? On va aller dans. On descend de là, moi. Je sais pas ce qu'on va foutre. Moi, je crois que je vais aller au lit. Attends. J'ai l'impression qu'on cherche trop le. Vous voulez pas voir le pawn shop ou je sais pas quoi? Bonsoir. Je crois pas. Non, y'a que des trucs de rush. Y'a pas ce qu'elle cherche. Ouais, mais il le cherche aussi, non? Eh, vas-y, viens dans les qu'on fasse quoi dans ce raid? Je sais pas, au moins, en attendant, lui se branler les nouilles, bon, on peut vendre. Après, il peut rester avec Izzy, hein, si Izzy en prend soin. Ah, non, mais. Je crois que je vais aller me coucher. Qui t'entend? Tu viens le chercher? Ouais, moi, ça. Je pense que je vais rien prendre chance. On cherche trop de trucs à faire sans trouver. Je viens de dire, au pire, le temps qu'il nous appelle, on pouvait aller vendre, tu vois. Mais là, vas-y,
club. Je vais le piloter. Bah, bon, si vous voulez, on peut aller vendre, ouais. À la vendre, à la vendre. Ouais, on va aller vendre. Bah, ouais, bah, pas près de quoi. Le chien, il pourrait ramener les petits poissons, il pourrait leur donner les billets. Donc on parle pas après Marseille. Il est sérieux ? Toi, je te pâte la gueule en fait. Qu'est-ce qu'il fait avec son gobelet ? Passe le bois. Ça pas. Ah, mais on dirait pas. Et t'as toujours du mal à te contrôler. Ouais, t'as un gros chien gamme sur la godasse, mec. Ah ouais. Ah, tu lui as parlé ? Ouais, je lui ai parlé. Ah, bref, la voiture, je te ramène 4 pas, en tout cas, je vais me coucher. Mais au pire, ton pour aller à la. Ah, mais ouais, mais toi, il te faut rentrer. Parce que. Ça, moi, au pire, je dors dans la boisson, tant que je m'en fous. Et sinon, on va en prendre une chacun, ton voiture, on va aller au pawn shop. Mais t'as fini de te mettre devant? Comme ça, il me parle directement parce que j'en ai marre. Parce que tout à l'heure, il avait peut-être du mal à parler. Il dit qu'il ne voyait pas assez. Parce que bah, il va m'acheter une voiture. Ah, il va m'acheter la petite là. Ah bah justement, je peux te ramener une des deux bagnoles au squat ou je sais pas où. Est-ce que tu veux que je te dépose une voiture là où tu veux? Et non, mais parce que moi, après, il m'en faut une voiture. Pour rentrer chez moi. Vous allez en acheter une? Non, c'est lui. Non. Lui, il va m'acheter la mienne. Je vais lui raser la sienne. Ah. Et sinon, ouais, tu me diras, sinon on ramène la voiture au squat et nous on prend la voiture, après on dort chez moi, tonton. Oh, on peut faire ça. Ouais, ben voilà, on fera ça. On veut pas dormir tard là aussi, voilà. Ouais, ben moi non plus, ouais. Bon, bah ok, ça marche. Bonne soirée, ouais. Patrick. Mais tu ramènes la voiture au squat du coup? Ah bah, c'est toi, c'est toi. Oui, vas-y, ramène-la au squat. Bonne soirée, okay. Vivi. Allez, bonne soirée. Bonne soirée, papri! Soirée, Vivi! Ah, il veut plus me parler. Hein. Bah non! Ah, non. C'est beau faire des efforts. Mon Poppy, hein? Au plaisir de te revoir, ma belle. Au plaisir! On y va? Ah, on y va. Oh putain, mais pourquoi je la ferme la voiture tout le temps? Attends, je suis en train de modérer. Ça te dérange si je l'amène dans le sud ou pas la voiture? Bah non, moi ça m'arrange, tu veux l'amener où? Coupez bah, cette putain de musique, je vous dis. En saut de là où. Ouais, vas-y, bah, non, je coupe pas la musique, mec. Je vais te crever les pneus si tu continues, toi. Ah, oh, ça sent ça pour moi. Tu m'empêches pas de m'écouter mon petit punk. Attends. Et au pire, on te rejoint là-bas, ici. Bon. Comme ça, je la récupère. Si tu veux dormir là-bas. À moins que t'en avais besoin. Si t'en as besoin, garde-la au squat. Vous devriez descendre dans le saut, là. Ouais. Bah ouais, vas-y, on se rejoint à la Narplex du coup. Ok. Je préfère aller dans le sud comme ça là, tu vois, je suis déjà du bon côté pour faire le con et vendre la drogue. Ok, ça marche. Ah, c'est ici, tu prends le ticket. Ah, c'est bon. Quoi ce truc? Je sais pas. Ils ont mis des panneaux. Alors, par où on va passer? Mais on va où là? Là, on va au squat du sud. Ah ouais. On récupère les deux voitures. Ok. Attention, là, c'est la roue de tous les dandés. Ouais, c'est ça. Wow. Et je peux pas aller au bon endroit. T'aurais dû aller tout droit, mais vas-y, tu peux encore. Oh, c'est bien là. Ouais, c'est moins emprunté, on va dire. Vas-y, continue et puis après tu tourneras à droite. Ouais, tout au fond. Comment ça, aïe? Ouais, c'est bon. Normalement, avec l'autoroute d'ici, tu peux peut-être en sortir. Ah ouais, tu prends l'autoroute, toi? Pour aller au squat. Ah, moi je passais par là. Oui, on peut par là aussi, oui, toi. Mais par l'autoroute, tu gagnerais un peu de poids. Ah ouais.
Non, c'est pas par là que je voulais passer en fait. C'est pas grave. Tu peux, hein. Oui, tu peux quand même. Là, tu vas allonger en fait. Ouais, c'est ça. Oui, t'as raison, je rallonge. C'est pas du tout par là que je voulais rentrer, que je voulais passer. C'était pas celle-là, c'était celle d'après. Là, on reprend à gauche. Ça marche là aussi. Ouais, ouais ça c'est ça. Aussi, ouais. Mais c'est cette route en fait que je voulais prendre. Ah ouais, ok. Bah là, tu vas, là, tu vas arriver devant. Il y a même Kramer. Ouais, bah on dirait. Oh, aïe pardon, excuse-moi. Oh putain. Excuse-moi. Ah mais excuse-moi. T'as fait tomber mes lunettes, heureusement que j'y vois moi. T'es pas. Ah ça va. Ah ça va. Mais pourquoi ça marche pas? T'as raison. Parce qu'on a plein de trucs dans les placards là-haut, donc faudrait pas déconner. Qu'est-ce que c'est ce mot? C'est internet pourtant. Ah, bah. Hey, vous l'avez vu à tonton? J'avais oublié. Ouais, tonton il est là-bas. Ok. Ah ouais? On se croit, hein. Ça y est, c'est revenu, putain. Ah, chapeau. Tonton! T'es chié, tonton, ou quoi? T'es où? C'est à l'extérieur. Ah t'es ressorti, on s'est croisé, ouais. Merde. J'arrive. Et voilà. Ouais celui-là. Bah allez on va y aller. Parti. C'est à partir de 5 grammes qui casse la croix. Ouais à partir de 3, ah tu prends celle-là 5 grammes, ouais. Bon on va dire 5 allez. Bon, plus tard, okay. Moi je pense que je vais aller dormir, moi après. Bisous, Bartier, à la prochaine. A bientôt. Ça marche, merci pour la classe, hein, papa. Bon, merci pour la facture, franchement, j'ai pas les réparations qu'on oui. Après, hein. Ah, tu fais quoi tu je vais chercher bah, on va pas au pawn shop. Ouais, ça marche. À tout allez. Allez, parti. Prends la voiture, moi je prends celle-là. Ah, mais. T'en vas avec ta voiture. On y va avec deux voitures, j'ai pas compris. Ouais. Bah ouais, comme ça après t'as la tienne. Ouais, mais après je te ramène. Non mais non, mais celle-là c'est la mienne aussi. Ah oui, c'est vrai, c'est la tienne. Ok, bon, on y va. Allez, c'était celui. Allez. Ah, plus les vieux quoi. Vas-y, ça se trouve, fini mon tour. On attend Eddy, il est parti, c'est ça.
Et il est ouvert encore. On va voir s'il y a quelqu'un. Ouais, t'as l'air désert, hein. T'as l'air désert, oui. Quelqu'un ? Bonsoir. Peut-être appeler les numéros. Tu le fais? Oh, le cerf. C'est bien le LF Ponsop? Ouais, c'est ça. 32 813. Oui, bonjour monsieur, je veux savoir si vous étiez ouvert. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on est au pawn shop et on vous voit pas. Est-ce qu'on se trouve? Ah, vous êtes dans le garage, pas très bien. Bah nous, on est devant le... C'est ça. Eh ben, très bien, merci, à tout de suite. Il est au garage. Ah ben, il est là, oui. Excusez-moi. Ouais, pas de soucis. Oh. Oh, bah, ah, c'est vrai que ça glisse. Hein. Oui, je crois, oui. Bah, du coup, j'aimerais lui vendre une voiture. C'est par vous qu'il faut passer, okay. C'est ça? C'est ça, pour faire les clés, ouais, c'est ça. Allez, c'est parfait. C'est quelle voiture? C'est celle du fond, là-bas. C'est pas moi qui vous l'ai vendue, celle-ci? Si, si, c'est vous. Je me disais aussi. Oui, mais j'ai eu un... Là, elle est défoncée. J'ai eu un souci de garage il y a pas longtemps, et j'arrivais plus à ouvrir la porte du garage pour la sortir. Du coup, j'en ai racheté une autre et lui, il veut me racheter celle-là maintenant, quoi. Vous en avez racheté? Mais si, normalement, vous pouvez toujours la récupérer, l'autre. Donc, si vous avez pris les clés du garage. Non, non, c'est pas ça le souci, c'est que le garage, il voulait plus s'ouvrir à une période. D'accord, bah, pourquoi vous avez pas juste renvoyé le véhicule sur votre petite tablette? Normalement, vous pouvez remettre le véhicule. Oui, 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 mais je l'ai fait, mais c'était plus compliqué que ça. Il a pris plusieurs jours à arriver. Ok. Bah, monsieur, je voulais venir à côté de moi, pas vous, hein, monsieur le nouveau propriétaire. Ouais. Tac, tac. Tac, monsieur Lemar, c'était à vous. Hop. Oh. Pas du coup pour le changement de clé, ça va faire 1000$. Attendez. Voilà. Oh, bah, je vais vous les payer, moi, les 1000$. Elle est réglée, non? Hop, voilà. Merci à vous. Et merci à vous. Ah ouais, t'as les clés maintenant. Ah ouais, cool. Nickel. Bah, tu pourras me faire le virement, du coup. Ok. Voilà. Bah, bonsoir, mais merci, bonne soirée, vous aussi. Bonne soirée. Vivi, c'est quoi ton compte? Attends. C'est de 28-07. 28-07. C'est bon. Attends, je regarde. Ouais, c'est bon, nickel, merci. Ok. Moi, bah, parfait, bah, grave, merci à toi. Bah. Ouais, t'es une voiture. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Ils font quoi, les autres? J'ai pas compris. Ils devaient vendre des fruits, quoi. Alors, en kilos, c'est pas quoi, en vrai. Grammes. Ah, ouais. Hey, tu disais que vous allez vendre ou je sais pas quoi là. Ouais, on est en train là, je suis un peu occupé. Pourquoi casquer, hein? Non, mais c'était parce que peut-être qu'on peut s'occuper de regarder à droite à gauche si vous que vous soyez pas emmerdé, tu vois ce que je veux dire. Ah, mais en vrai, vous allez dormir, moi. Aïe, j'en ai un accident.
Comme tu vois, mais on a déjà Kramer qui fait ça. Mais comme ah, ok, bon, mais laisse tomber, alors, je vais aller dormir. Toi, il va dormir aussi. Comme vous voulez, mais vous pouvez. Plus il y a deux gars qui font le mieux, c'est, mais. Non, c'est bon, t'embête pas. Comme tu veux, comme tu veux. On va aller dormir en fait. On va aller dormir. Bon, je passe à ça, mais en fait, ouais, c'est vrai que c'est un petit peu tard, je vais aller dormir. C'est comme toi le vois. Ça marche. Moi, je te le redis. Attends, salut Mac. Je te rappelle après. Enfin, allez, à plus, ouais, bisous. Hop. Bah allez, tu veux dormir à la maison? Viens, on va dormir à la maison. Ouais, bah allez, vas-y. Ouais, allez, c'est parti. Il va pas se fermer la portière. Casse les couilles la portière. C'est pas par là qu'il fallait passer, je crois. Oui. C'est là. Hey, je vais te donner les clés du garage, comme ça tu pourras la rentrer aussi. Ah, et je la donne pas à tout le monde parce qu'il y a que j'ai que deux places dans le garage. Ah, ouais. Ah. Attends, où c'est que j'ai foutu ça? Oh, ils sont là, les doubles, tiens. Hop. Tiens, voilà, c'est cela. Ok. Ah, il est petit, mais il est sympa ce garage. Ah, c'est sympa. Ah putain, c'est pas grave, mais. Ça va pas être très confortable, le ménage il a pas été fait. Y'a pas le SA cleaning, tu sais. Ouais, bah tant pis, je vais dormir par terre. Ouais, je vais faire pareil. C'est pas grave. Okay. Ah, ils sont chiants, ils veulent pas me vendre un balai, putain, ne serait-ce qu'un balai au moins. Sinon on casserait leur business. Ouais, c'est vrai. Ils veulent avoir le monopole des balais. C'est ça. Jusqu'au 24, j'ai encore. Il y a encore de la fumée là, ça veut pas s'évacuer. Hein. Bon, je vais prendre dormir sur le canapé. Allez, ça marche. Allez, bah bonne nuit, papy. Mais merci. Bonne nuit à toi aussi, à bientôt. Pas bientôt, à demain. Ciao. Ouais. Ciao. Hop. Tac, et voilà. On s'arrête là du coup. Merci d'avoir regardé. Peut-être qu'on va aller chez Kramer d'ailleurs. Aller chez Kramer. Kramer.
Et l'habitude, j'ai fait un T-slash. Hop, et voilà, on part chez Kramer. Bientôt, des bisous. Ciao.